Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus depuis ce matin. Merci d'être là avec vos éventails, vos feuilles, tout ce que vous pouvez pour vous aérer. Et en fait, votre présence, malgré ces chaleurs, est bien la preuve qu'on sent un besoin d'urgence pour se mobiliser. Et si un festival comme Agir pour le vivant organise sa 4e édition en 2023 et que vous êtes très nombreux à braver cette chaleur pour y assister, c'est bien que vous avez conscience que nous sommes dans une impasse. Le climat se réchauffe, nous en avons parlé ce matin pour ceux qui étaient là, et nous n'arrivons pas à stopper cet emballement. Plus des deux tiers des populations de vertébrés sauvages ont disparu en 50 ans, selon une étude publiée récemment dans la revue Nature. Alors, je ralentis parce que je viens de me rappeler qu'il y a des interprètes. Donc, nous allons faire attention à ne pas parler trop vite parce qu'il y a Patricia, qui est dans le fond là-bas, qui traduit du français vers l'espagnol pour les hispanophones. Et nous avons avec nous Carmen, qui traduit de l'espagnol vers le français pour Moira. Donc voilà, ce n'est pas un ralentissement de mon cerveau dû à la chaleur. C'est pour que les interprètes ne passent pas un après-midi trop compliqué. Donc, je disais, selon une étude récemment publiée dans la fameuse revue Nature, 7 des 8 limites planétaires assurant la stabilité et la bonne santé donc, du système planétaire ont déjà été dépassées. Bref, l'humanité dépasse les bornes au point de remettre en cause l'habitabilité de la seule planète habitable dans le coin pour notre espèce. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Qui est responsable ? Est-ce que c'est la colonisation, le capitalisme, le patriarcat ? Peut-être un peu tout à la fois. Heureusement, la riposte s'organise sur tous les continents, chaque jour un peu plus. Et c'est ce dont nous allons parler avec nos trois intervenants que je vous présente tout de suite. Alors je dis trois, pour l'instant la chaise à ma gauche est vide parce que Malcolm Ferdinand arrive, il a eu un petit problème de train, mais voilà, son arrivée est imminente, d'où le fait que nous ayons débuté avec un petit peu de retard. Mais nous avons deux intervenants brillants avec nous, Moira Ivana Milan, qui est activiste mapuche argentine, écrivaine, anti-patriarcale et pas militante féministe. La différence était très importante pour elle. Elle lutte pour la récupération des terres appartenant aux peuples autochtones. Et Moira, vous avez créé le mouvement des femmes indigènes pour le bien vivre. Vous allez nous parler de tout cela. À votre droite, Christophe Bonneuil, qui est donc historien des sciences, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'EHESS et directeur de la collection Anthropocène des éditions du Seuil. Anthropocène, tiens, un terme que nous allons bientôt interroger. Alors, avant de vous donner la parole à tous les deux, je vous propose de regarder le témoignage de Raymond Lucas. Raymond Lucas est un retraité de 81 ans qui vit à La Réunion. Je m'appelle Raymond Lucas, je suis créole réunionnais, j'ai mes 81 ans passés. À Théala, aux Avirons, nous avons une tiravine qui s'appelle le ruisseau. Quand moi j'étais maman, il m'était bien dans le bassin, c'était plein de petits bassins. Comme elle n'a plus de l'eau dans la ravine. Nos ravines ne fonctionnent plus comme avant, elles se dessèchent, ce n'est pas naturel ça. C'est très dramatique. Et la conséquence, c'est grave quand on n'a plus de l'eau dans la ravine. Dans la ravine, il y avait une faune aquatique, ils vivent là, il y avait des poissons et différentes espèces, et ils empêchent le moustique de se proliférer, de se multiplier à grande quantité. Aujourd'hui, même en hiver, nous n'en avons moustique. Eh bien, parce que le moustique, maintenant, il est dans la cour, il est partout, et n'a plus son prédateur qui a amené un certain équilibre. Nous, on est en train de déclencher des tas de déséquilibres.
une masse de moustiques, nous n'y sommes nous attaqués. Le résultat, souvent, la réaction des hommes, c'est de donner une masse de pesticides, d'insecticides. Alors là, ils tuent tous les autres insectes. Et quand ils tuent les insectes, ils tuent les oiseaux. Sauvons les conditions de vie sur cette planète. Il y a une urgence de bon sens populaire. Faisons confiance à la population. L'homme est capable de s'approprier cette responsabilité. Allons faire à lui confiance, apportons l'information. Les conséquences sont graves, sont visibles. Il faut que nous prenions conscience. Si les oiseaux là, ils meurent. Si les abeilles là, ils meurent. Notre toit, il vient derrière, hein? Alors, ce témoignage provient de la plateforme Hip-Hop, Hip-Hop pour Petites Ondes Participatives, qui incite des jeunes du monde entier à filmer avec leur smartphone la dégradation de leur environnement. Je vous invite à aller sur la plateforme hiphop.network.fr. Il y a plus de 1000 films, plus de 1000 témoignages comme ça, filmés sur les 5 continents. C'est vraiment absolument fantastique à regarder. Et en plus, je le dis pour les professeurs, ou, voilà, c'est complètement libre de droit. Vous pouvez utiliser ces films partout où vous voulez parler de ces sujets. Ils sont à la disposition gratuitement de tout le monde. Christos Benoît, j'aimerais démarrer avec vous. Raymond Lucas termine en disant « Notre tour, il vient derrière ». Cette prise de conscience que nous sommes en train de remettre en cause les équilibres de base de l'habitabilité de la planète, contrairement aux idées reçues, elle n'est pas du tout récente. Oui, alors effectivement, moi je suis historien et je vais faire peut-être les deux points qu'on essayait de faire dans notre livre avec Jean-Baptiste Fressoz, l'événement Anthropocène. Le premier point, c'est de dire oui, ce qu'on appelait avant la crise écologique, on est en train de réaliser que c'est beaucoup plus que ça, que c'est un bouleversement géologique, que la planète est en train de changer d'époque, qu'on est en train de sortir d'un certain état de la planète relativement habitable qui s'appelait l'Holocène. Alors les scientifiques appellent cette nouvelle époque géologique dans laquelle on est entré l'Anthropocène, pour souligner que les activités humaines sont devenues une force de transformation de l'histoire de la Terre. Alors qu'avant, quand on était au lycée, qu'on apprenait la géologie, les seuls facteurs qui entraient en ligne de compte dans les 4 milliards d'années d'histoire de la Terre, c'était des facteurs extra-humains. C'était les variations de l'activité solaire, c'était les variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'était la tectonique des plaques, des choses comme ça. Donc l'Anthropocène apporte cette idée d'un agir humain sur la dynamique planétaire, mais en même temps, il pose plein de problèmes. Il donne l'impression d'une responsabilité indifférenciée de l'humanité, ce qui fait que depuis 10-15 ans, il y a beaucoup de débats sur comment on doit appeler ce qui nous arrive. On va en parler aujourd'hui. Est-ce que c'est un capitalocène? Est-ce que c'est un plantationocène, ce qui renvoie à des formes de standardisation du vivant, mais aussi de mise au travail des corps esclaves? Est-ce que c'est un terricide, comme va nous en parler Moira? Donc je laisse cette discussion ouverte. Mais en tout cas, ce nouvel âge dans l'histoire de la Terre dans lequel on est en train de rentrer, et là je rebondis avec le terme de géopolitique du thème de la séance, nous projette dans un nouvel état de la planète qui correspond pour nous aussi à une nouvelle phase de l'histoire humaine. On va rentrer dans un monde où les Nations Unies prévoient 250 millions de réfugiés climatiques en 2050, où une publie du mois de juin dit à chaque fois que la planète va prendre 0,1 degré de température globale supplémentaire, ça correspond à 140 millions de personnes qui, quelque part dans le monde, pendant quelques semaines de l'année, ne pourront pas vivre parce qu'il fera carrément trop chaud pour le corps humain. On est dans un monde où il va y avoir, où il y a déjà, des millions de personnes qui vivent à côté de dizaines de milliers de sites d'extraction minière, qui polluent les corps et les milieux, parfois au nom de la transition écologique, au nom de la décarbonation. Donc effectivement, ça nous déplace dans potentiellement une nouvelle géopolitique au XXIe siècle, où il y aura des nouvelles formes d'accaparement de terres,
où il y aura des nouvelles guerres pour les ressources, où il y aura des nouvelles catastrophes, où il y aura des territoires entiers qui devront être abandonnés par les groupes humains parce qu'ils ne seront plus habitables. Et on n'est pas sûr que le 21e siècle sera moins barbare que l'a été le 20e. Le 20e avec ses grandes guerres, ses grandes boucheries, le génocide, l'Holocauste, etc. Bah, finalement, rien ne nous garantit que le 21e siècle va être plus civilisé que l'a été le 20e. Donc ça, c'est le premier point du bouquin. Le deuxième point, je réponds à ta question, c'est oui, d'accord, il y a quelque chose de nouveau là-dedans. En même temps, se raconter l'histoire que ça serait la première fois qu'on s'aperçoit que notre histoire humaine, elle est entremêlée avec celle de la Terre, que peut-être on transforme la Terre, peut-être que les transformations de la Terre influencent notre le devenir humain, c'est un récit très problématique, qui est le récit dominant de l'Anthropocène, et qui est faux, comme nous le montre l'histoire environnementale. En fait, ça fait en Europe, dans l'Occident, ça fait 5 siècles que les humains se posent la question de ce qu'ils font à la Terre, qui disent comment on doit gérer la Terre, quel est le bon usage de la Terre. Il y a une bulle papale de 1455, je vais vous lire ça, qui, donc le pape dit en 1455, il encourage la mise en esclavage des populations africaines, il encourage l'expansion portugaise vers l'Afrique et bientôt vers l'Amérique, et il dit, il se pose comme le successeur du porteur de clés du royaume des cieux, vicaire de Jésus-Christ, contemplant avec un esprit paternel, c'est là où on voit l'articulation du capitalisme, du colonialisme et du patriarcat, avec un esprit paternel, les multiples climats du monde et les caractéristiques de toutes les nations qui y habitent. Donc en fait, au moment où les Européens prennent le pouvoir sur le monde, par les conquêtes de l'Afrique et de tout le continent américain, ils ont parfaitement conscience qu'ils sont dans un projet de gouvernement de la Terre entière, de tous ces peuples, de tous ces milieux, à l'échelle planétaire. Et la bulle papale de 1493, elle divise carrément la Terre en deux. Hein, la moitié du globe selon un axe pôle nord, pôle sud aux Espagnols, la moitié aux Portugais. 30 ans plus tard, quand on arrive aux Philippines, il y a des batailles pour savoir si les Philippines sont du côté portugais ou espagnol. Ça crée des controverses cartographiques et politiques incroyables. Donc il y a vraiment une conception géopolitique, même si le mot géopolitique ne date que du début du XXe siècle, il y a ce projet de gouverner la Terre qui est présent à la naissance du capitalisme et du colonialisme il y a 500 ans. Et plus proche de nous, le projet du capitalisme industriel, Saint-Simon, les Saint-Simoniens, début du XIXe siècle, ils disent explicitement, nous devons gouverner la Terre, nous devons l'exploiter intégralement. Et c'est par cette mise au travail de la planète que nous allons mettre en valeur le globe, ils ont cette expression, et à travers ça, ça justifie le projet colonial au nom d'une utilisation optimale des ressources de la planète pour l'harmonie humaine, ça va abolir les guerres, enfin il y a tout un discours de légitimation, mais derrière ça, il y a un projet de gouvernement intégral de la planète, de ses humains, mais aussi de ses milieux biophysique. Et donc, en fait, ce que montrent des dizaines de travaux d'histoire et d'histoire environnementale, c'est que ça fait 5 siècles que les élites de l'Occident capitaliste se demandent comment bien gérer la planète, est-ce qu'on la transforme, et si elle est transformée, est-ce que ça influence sur nous. Alors, je ne vais pas développer, mais les débats sur le déluge du 16e au 18e siècle posent cette question. Est-ce que l'action humaine, le péché humain, a provoqué un événement global qui est une montée des eaux globales? Si oui, est-ce que c'est la preuve de l'existence de Dieu? En tout cas, on se pose la question de l'entremêlement de l'histoire de la Terre et de l'histoire humaine, ce qui est typique de l'Anthropocène, donc ce n'est pas nouveau de ce point de vue-là. Deuxième élément, au XVIIIe siècle, on a des théories du changement climatique global par la déforestation. Donc ce n'est pas du tout le cycle du carbone, c'est le cycle de l'eau qui est en jeu. Mais on sait très bien, d'ailleurs Christophe Colomb en parle à des échelles plus locales, il dit on va conquérir les Caraïbes, certes il y a un problème, il y a des tempêtes et beaucoup de pluie, mais si on enlève les forêts, le climat va s'améliorer. C'est dans les carnets de Christophe Colomb.
C'est une théorie du changement climatique par la déforestation et les changements du cycle de l'eau. Au XVIIIe siècle, cette théorie est devenue globale et on pense, les Européens, les élites européennes, pensent pouvoir transformer les climats de la Terre grâce à la déforestation, pour le meilleur ou pour le pire. Le pire, c'est en Europe, on se dit on a trop déforesté, les climats se transforment, il y a des grands débats. Le meilleur, c'est en Amérique, à la même latitude, vous avez Bordeaux et Montréal. À Bordeaux, il fait plutôt chaud et tempéré. À Montréal, il fait plutôt froid. Comment ça se fait? Et donc, l'explication dominante qui est donnée au XVIIIe siècle, c'est de dire, nous, les Européens, nous sommes super civilisés, nous avons détruit la forêt, passé la charrue, nous avons amélioré notre milieu qui est plus tempéré. Ces sauvages amérindiens qui ne sont pas foutus de bien exploiter leur milieu, ils sont encore dans les bois à chasser des animaux, et ben, ils vivent donc dans un environnement qui n'a pas été amélioré, qui n'a pas été civilisé hein, dans le discours colonialiste de l'époque. Et si nous, les Européens, nous conquérons l'Amérique du Nord, nous allons la civiliser par la charrue, et cette civilisation va apporter une amélioration climatique. Donc vous voyez que parfois, ce que nous on appelle, les historiens Jean-Baptiste Fressoz et moi, des réflexivités environnementales, c'est-à-dire l'idée de penser l'entremêlement de l'agir humain et des dynamiques terrestres. Ces réflexivités, elles sont très anciennes et elles ne sont pas toujours glorieuses. Elles sont parfois complètement prises dans des projets de domination, des projets, des idéologies impériales, coloniales. Et donc toute la question, c'est aujourd'hui, quand on est en train de débattre des enjeux planétaires, avoir bien conscience de ces origines, parfois coloniales, de nos récits de la crise écologique pour s'en sortir et pour être à l'écoute d'autres cosmologies, d'autres peuples, etc. Alors quand on vous écoute, Christophe, on se dit que finalement ça partait plutôt d'une bonne intention, hein, puisque c'était pour améliorer le climat, par exemple, des Indiens qu'on allait modifier et accaparer ces terres. Mais Moïra Molan, vous, ce n'est pas vraiment cette bonne intention que vous ressentez depuis 500 ans en Argentine? Oui, vas-y. Marie-Marie Compuché, Kumeaku Inmun, bienvenidos, bienvenidas, gracias por soportar el calor y venir a reflexionar con nosotros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci beaucoup de supporter la chaleur pour être ici cet après-midi avec nous. Escuchando a Chris con su relato histórico situado desde esta geografía, pensaba cuándo se originó esto que hoy llaman antropoceno y que voy a interpelar. Hay una lectura sesgada, una lectura recortada sobre la agresión sistemática a la vida de la Tierra. Esto ha comenzado desde mucho antes. Pero antes de que existiera esta geopolítica colonial, existía otra forma de entender el arte de habitar y de organizarnos en la Tierra. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christophe par rapport au récit historique d'ici et par rapport à l'Anthropocène. Disons que cette lecture est finalement un peu coupée de certains faits et on a oublié aussi de parler de l'agression systémique contre la vie et la terre. Avant la géopolitique coloniale, il existait déjà un art de vivre qui était profondément lié à la terre. Era la cosmografía de los pueblos ancestrales. Esta cosmografía organizaba el mundo a partir de la naturaleza. Era la tierra quien organizaba los pueblos. C'était donc ce qu'on appelle la cosmographie des peuples autochtones. Cette cosmographie organisait le monde, organisait la terre autour de la nature. C'est ça qui organisait aussi les peuples. La tierra nos determina, nos constituye cultural, espiritual, económica y políticamente. On est donc culturellement, économiquement, politiquement et spirituellement constitué par la terre, grâce à la terre.
Cuando he recorrido las grandes regiones amazónicas o la región andina, veo cuántos elementos culturales, espirituales, incluso económicos, en común tenemos. Quand je me suis promenée dans la région amazonienne ou la région andine, j'ai remarqué à quel point nous avions des points communs, tant au point de vue spirituel, culturel et même économique. Numerosos pueblos cohabitábamos un mismo territorio, sin fronteras, sin una fortificación militarizada. Teníamos conciencia clara de cómo nos expandíamos y nos desarrollábamos en ese territorio. Nous étions donc nombreux, nous étions plusieurs peuples qui habitaient des territoires sans avoir de frontières, sans avoir de points militarisés, et nous avions tous et toute une conscience très claire de la façon dont nous habitions les territoires. Esa cosmografía tenía dos grandes grupos políticos y sociales organizados. Estaban los estados religiosos, incas, mayas, aztecas, y estaban las naciones sin estado. Donc il y avait deux grands groupes à cette organisation sociale et religieuse. Il y avait les incas, les mayas, les aztèques, et il y avait aussi les nations sans état. Estas naciones sin estado se constituían de manera horizontal y en relación armónica con la tierra. Ces nations sans état étaient constituées de façon horizontale et de façon harmonieuse avec la terre. Pero fueron barridas cuando llega la colonización a nuestros territorios. Esa colonización trae la geopolítica. Esa geopolítica que levanta fronteras y que viene con una lógica completamente antagónica al pensamiento de los pueblos indígenas. La lógica de que todas las vidas y todas las fuerzas se convierten en recursos. Recursos con los que se van a construir materialmente la riqueza de quienes tengan el poder, el privilegio de algunos. Mais toute cette organisation a donc été balayée au moment de la colonisation, qui a apporté avec elle la géopolitique, l'organisation des frontières, une logique qui était complètement antagonique à ce que le peuple avait déjà chez eux. Cette logique avait une force de chercher des ressources pour vouloir construire, pour avoir un développement économique et surtout pour gagner de la puissance et les privilèges de certains. A modo de broma, siempre digo que la Biblia da cuenta del primer gobierno que fracasó en el mundo, cuyo creador de ese gobierno fue Dios y que puso como ministro de Economía al hombre. Cuando dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios miró todo lo creado, le gustó y dijo, y puso al hombre a señorear o administrar sobre lo creado. Entonces fue el primer fracaso político. J'ai une petite blague où je dis qu'en réalité la Bible montre comment la première organisation a échoué, c'est-à-dire que Dieu était le gouverneur ou le président et il a mis l'homme comme ministre de l'économie. Donc c'était le premier échec parce qu'il a vu, j'ai créé tout ça, je te laisse le gérer. Pardon. Allez, juste, est-ce que vous pouvez juste terminer pour qu'on puisse accueillir? Non, mais terminer ce que vous vouliez dire. Elle a. Oui. Elle dit qu'elle a terminé. Elle n'a pas beaucoup parlé, non. Non, mais vous pouvez continuer. Hein. Es muy difícil este tipo de eventos en donde tenemos que traer 14.000 años de historia y sintetizarla en 15 minutos. Voy a intentarlo. C'est très difficile de parler de 14.000 années d'histoire en 15 minutes et avec interprète. Je suis désolée.
para terminar la idea. Entonces, estas geopolíticas extractivistas, terricidas, no comenzaron con la modernidad. Estas geopolíticas se pergeniaron y fueron pensadas mucho antes. Y como nos decía Christoph, fueron programadas con una idea globalizadora. Ahora bien, ¿cuándo estas políticas... Decime cuándo paro. ¿Paro? No, dale. ¿Cuándo estas políticas se llevaron a cabo en los mundos, en los otros mundos, en otras formas de habitar la Tierra, fueron consumadas con violencia militar? Que no podemos dejar de pensar el cambio climático y todo lo que la crisis ambiental, social, civilizatoria, si no pensamos que han sido consumadas a partir también de una política de muerte, la política belicista. Hoy día... Donc, toute cette géopolitique a une idée d'extraction et de terricide qui ne date pas du tout de la modernité. C'est quelque chose qui venait bien avant et qui reprend la notion de gouverner la terre entière, la globalisation qu'on parlait, Christoph. Donc, cette politique mène une quête très, très violente avec la violence militaire et tout cela a fait changer la façon dont on était organisé auparavant, et c'est la politique qui vient du Nord, qui vient de la politique de la scission, de la division. Si desde los sectores ambientales no interpelan la continuidad de esas políticas, en la esclavitud racista continúa y se ha racializado los territorios. Si el sector de l'environnement no interpelle pas, on va continuer avec l'esclavage, le racisme, et il y a les territoires qui sont devenus des endroits racistes. La méga minería en los territorios indígenas está sustrayendo muchos recursos, entre comillas, para la industria bélica. No es una méga minería que sea utilizada para el bien social. Y tampoco es una mega minería que esté pensada en el respeto y el resguardo de la vida de la tierra. Sin embargo, los gobiernos de la actual geopolítica sostienen este modelo económico. La explotación minera a gran échelle está en train de détruire los territorios indígenas. Elle le fait avec un but d'utiliser les minéraux dans l'industrie des armes. Ce n'est pas du tout une industrie qui va ramener du bien à la société. Et tout cela, toute cette destruction est pensée depuis le point de vue de la géopolitique des gouvernements actuels. Entonces, para ir cerrando, me parece que pensar el conflicto desde el recorte temporal y desde situarnos en Occidente, en Europa, reduce nuestro análisis y tenemos que pensar más atrás y también ver la posibilidad de reconocer que hubieron otros modos de habitar el mundo que se pueden recuperar. Desde la geopolítica actual, lo único que vamos a lograr son políticas de reciclar a estos modelos de gobernabilidad, a estos modelos de muerte, y tenemos que recuperar la cosmografía que realmente abraza la vida y respeta todas las vidas. Donc, pour finir cette partie, je dirais que nous devons penser que la situation dont nous sommes maintenant, ce n'est pas quelque chose d'actuel, qu'il faut arrêter de réfléchir avec ces modèles de l'Occident qui porte les conflits à maintenant. Ça a commencé depuis bien longtemps, bien avant. Et il faut absolument se rappeler qu'il y a d'autres façons d'habiter ce monde, qu'il y a d'autres façons de vivre que nous pouvons récupérer et que la politique, la géopolitique actuelle ne doit pas nous forcer à vivre comme on vit maintenant et que c'est la cosmographie à laquelle nous devons revenir. Merci. Merci, Maya.
Alors, on accueille Malcolm Ferdinand qui nous a donc rejoint. Bienvenue. Donc, vous êtes ingénieur en environnement à l'University College of London, docteur en philosophie, philosophique de en philosophie politique de l'Université Paris Diderot, chercheur au CNRS et l'un des membres fondateurs de l'Observatoire Terre-Monde. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui a fait beaucoup parler à sa sortie, qui s'appelle « Une écologie décoloniale ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous incite à le faire. Je montre aussi aux gens qui nous suivent en visio. Et ces livres seront dédicacés à la librairie à la fin de la conférence. Et donc, Malcolm, on a compris donc qu'il y avait une longue histoire de 5 siècles de destruction du vivant qu'on a, et ça a façonné dans l'imaginaire une façon d'habiter le monde que vous appelez l'habité colonial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Bonjour. Bonjour. Donc je vais répondre à la question, mais d'abord je dois remercier le festival et l'équipe d'organisation qui a fait en sorte que je puisse être là. Je m'excuse du retard, mais voilà, c'était un long chemin. Donc merci Delphine, Camille, Léa, Carole et bien d'autres pour ce trajet, pour cette efficacité. Merci à vous d'être là et ceux qui nous suivent en ligne. Voilà. Merci à mes camarades, Christophe et Murad, voilà, et aussi de partager cette table ronde, c'est un honneur pour moi. Je commence aussi mes propos par remercier mes ancêtres qui m'ont donné la vie, qui font que je suis là devant vous avec plutôt beaucoup d'amour et pas tant de rancœur, et voilà, qui fait que je peux me tenir debout et m'engager avec vous de manière voilà, chaleureuse. Et je commence aussi par dire que je suis martiniquais, j'étais en Martinique hier, et je dis ça non pas pour célébrer une identité, on nous a souvent taxé d'être un peu des nombrilistes identitaires, ah là 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 là. Non, c'est d'une part pour rappeler que ma seule présence et celle collective martiniquais est le témoignage d'une défaite du projet colonial et esclavagiste français. Nous n'étions pas censés être là. Et nous sommes là, et nous appelons martiniquais. Je dis ça aussi pour mettre en garde, peut-être, un certain rapport exotique que l'on peut avoir, alors bien sûr, à la Martinique et autre chose, mais aussi à tout ce que Moira vient de rappeler, c'est-à-dire tous ces savoirs et ces pratiques, ces rapports à la terre qui précèdent les colonisations modernes. Un rapport exotique où on va dire, regardez comment ces peuples, avec leurs histoires, sont dans une forme, mais c'est pas comme ça, sont dans une forme d'harmonie, entre guillemets, avec les écosystèmes, sans, dans le même moment, reconnaître les processus longs, historiques, de domination qui font que ces savoirs, aujourd'hui, restent marginalisés, mis de côté. Pourquoi, aujourd'hui, c'est moi, un homme noir, qui dit « je suis martiniquais » et que ce n'est pas un homme kalinago, par exemple, qui le dit? Ben, c'est parce que c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire des esclavages et de ces génocides. Donc voilà, ça c'était pour commencer. Et donc maintenant je vais répondre à la question. Merci. Je parle effectivement de l'habité coloniale, ER. L'idée étant de rappeler que la colonisation n'a pas été simplement un processus de domination d'un peuple sur un autre, un processus de conquête, violent, c'est ça aussi évidemment,
mais c'est aussi l'imposition violente d'une manière d'habiter la terre, d'une manière de se rapporter aux uns et aux autres, d'une conception philosophique de ce que signifie d'être terrestre. Donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu écouter de Moïra. Dans le passage, dans la transformation de tout un ensemble du réel à des ressources. Et ce qui est assez fascinant dans le cas français, c'est que tout cela est écrit, consigné dans des actes où clairement on dit, bon voilà, nous passons un acte Richelieu, etc., avec des Nambucs, en disant, nous allons virer les habitants, exploiter ces terres, afin d'enrichir le Havre. Donc ce processus où on va faire table rase de ce qui existe, à la fois au niveau écosystémique, hein, c'est ce qu'on appelle le plantationocène, le fait de transformer des écosystèmes riches, divers, variés, en des monocultures de plantation d'exportation, d'expulser les peuples qui y habitent, et d'imposer cette façon d'habiter, cette manière d'habiter la terre. Il faut bien comprendre que cette manière d'habiter la terre ne s'arrête pas après l'abolition de l'esclavage, ne s'arrête pas après les indépendances. C'est ce qu'on appelle la colonialité, c'est-à-dire que la colonialité va bien au-delà de la colonisation. La colonisation a des bornes historiques, commence telle date, 1635 par exemple, finit 1946, mais cette façon continue. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, mais aussi en Martinique, on est avec des monocultures de bananes, on est encore avec des formes d'extractivisme en Guyane ou alors en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est pour la réponse très, très claire sur l'habité coloniale. Et l'avantage de pointer cette habité coloniale, ça permet de comprendre qu'on n'a pas fini avec la colonisation dès lors qu'on a acquis une forme de souveraineté. On le voit très bien avec la France-Afrique. La France-Afrique est un processus pour maintenir l'habité coloniale. On dit, bon, on vous met au pouvoir afin que vous puissiez nous garantir de pouvoir exploiter l'uranium pour pouvoir alimenter l'électricité ici. Bon. Et si on vous retire du pouvoir, alors on envoie l'armée. Bon. Ça tangue un peu en ce moment. Hein, on va voir. Ça tangue un peu, effectivement. Et du coup, là, je voulais aborder la dimension géopolitique un peu plus directement, c'était le thème de la table ronde. Et je voulais faire trois points dans cette question de géopolitique des éléments de la Terre ou géopolitique du vivant. Enfin, qui dit géopolitique implique une certaine cartographie, finalement. Une certaine cartographie du monde, de la Terre. Nous sommes à Arles, nous sommes en Hexagone, donc la France hexagonale. Je ne parle pas de France métropolitaine parce que c'est un terme colonial et raciste. Une partie, quand on parle par exemple une partie du vivant sous juridiction française se trouve dans les territoires qu'on appelle Outre-mer. La France est un pays multisitué. C'est vrai que si vous demandez à n'importe quel élève dans le secondaire en France ou ailleurs où se trouve la France, alors tout le monde va se précipiter vers ce petit coin de l'Hexagone en Europe. Et pourtant, 80% de la biodiversité se trouve hors de cet espace, en Guyane, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky, etc., etc. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là à se dire, ah ben, regardez la France, cette puissance écologique comme un trophée qu'on expose? Ou est-ce qu'on en tire les conséquences à la fois écologique et politique, c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable d'équiper ou de reconnaître aux habitants de ces territoires une responsabilité, une place politique digne afin de pouvoir prendre soin de ces écosystèmes. Premier élément. Le deuxième élément est la question du pouvoir. La cartographie, d'ailleurs, est un instrument, un élément de pouvoir. On fait des cartes pour asseoir un pouvoir, une relation de domination.
On le voit très bien, y compris dans l'espace marin. La France aujourd'hui est au deuxième rang mondial des puissances marines, derrière les États-Unis, avec 11 millions de kilomètres carrés marins. Au point où récemment, ce qui était sous direction du ministère de l'Outre-mer a été scindé en deux, avec un ministère de la mer et un ministère des Outre-mer, bon, qui est passé sous le ministère de l'Intérieur. Bon, c'est encore notre question. C'est une très, très grosse question, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la France est par exemple une puissance nucléaire ? À aucun moment des essais, enfin, c'est un élément clé du pouvoir militaire, les essais nucléaires n'ont jamais été faits en Hexagone ici. Par contre, ils ont été faits en Algérie. Puis après, ils ont été faits en Polynésie, jusqu'en 95-96, me semble-t-il. Quatre ans après que la France ait signé les accords de la COP en 92 à Rio. Hein, donc, mais pareil, quand on... Encore sur la question de la géopolitique. Aujourd'hui, on s'oriente souvent voilà, en taxi avec le GPS, Global Positioning System. Ce sont des satellites, donc système américain, états-unien, ce sont des satellites qui, sont, voilà, qui permettent de nous orienter. L'Europe a aussi son projet d'avoir son propre système. D'où sont lancés ces satellites ? De Kourou, en Guyane. Et comme vous savez, quand vous êtes plus proche de l'équateur, on fait beaucoup d'économies de fuel, etc. C'est encore un élément qui influence la géopolitique française. Mais qu'en est-il des Guyanais ? Qu'en est-il du peuple Kalina ? Qu'en est-il des Saamaka, des Bushnangé, des Boni ? Toutes ces personnes sont toujours mises de côté. Et troisième point encore pour lancer la discussion finalement, parce que c'est ma première fois dans ce festival et que la question du vivant est une question que je trouve très importante, qui doit être aussi abordée dans son rapport à la question coloniale. Peut-être on y viendra après. Mais pour moi, la géopolitique tient aussi au corps. Et donc, dans la manière d'aborder tant la géopolitique que le vivant, on peut retrouver ce que j'ai nommé dans mon livre une fracture coloniale, où on va distinguer ce qui est digne de rentrer dans le vivant et ce qui ne l'est pas. Ou plutôt, ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire la face cachée du vivant, la mort, ce qui est digne d'être assigné à ce que Frantz Fanon appelait des zones de non-être, la mort. Est-ce que les corps noirs, les corps arabes, les corps racisés font partie du vivant ? C'est une question ouverte que je pose volontairement à ce festival et que j'espère qu'on pourra aborder collectivement. Moi, je voudrais vraiment rebondir parce que je trouve que ça se croise merveilleusement, c'est-à-dire que, un peu comme préalable à la discussion des enjeux, des solutions, etc., que Anne-Cécile va essayer de tenir cet agenda, il y a l'insistance qu'on a eue chacun à notre façon, il me semble, de dire qu'il y a une sorte de préalable à questionner les récits dominants de la crise dite environnementale aujourd'hui, planétaire, que ça soit sous la terminologie de l'anthropocène, de la transition écologique ou du développement durable. Il y a une colonialité dans ces concepts-là, dans les récits qu'ils portent, et notamment il y a cette idée que au départ on est entré dans la modernité qui s'est globalisée, on n'a pas fait exprès de bousiller la planète, on ne savait pas, puis maintenant on prend conscience des questions environnementales et on va réparer le truc. Ce truc-là, il pose deux questions, c'est qu'il occulte complètement les violences. Ce n'est pas juste qu'on était ignorants des questions environnementales, nous les modernes, c'est qu'on a bousillé des peuples, des cultures, des territoires, des vivants. Premier problème. Et deuxième problème, c'est que ce récit, il donne l'impression que pour pouvoir se reconnecter avec les éléments terrestres, il faut être passé par la case de la modernité. Ça crée une espèce de récit étapiste. D'abord, on est des extra-modernes, des primitifs, alors on est gentil avec la nature, puis en plus on n'a pas beaucoup de techniques, alors on ne fait pas beaucoup de mal, et puis il y a le mythe du bon sauvage, voilà ce qu'il y a dans notre récit. Ensuite, il y a notre modernité occidentale, dans sa première phase un peu aveugle, ah, vraiment, mais heureusement maintenant, on est rentré dans la troisième phase, celle de l'humanité toujours dominée par la blanchitude,
qui a pris conscience et qui maintenant va utiliser ces super outils, les marchés, les technologies, pour répondre aux problèmes. Et voilà. Bah, y a une colonialité dans ce récit qui nous dit qu'on serait obligé d'être passé par la modernité occidentale pour rencontrer la Terre. Hein ? D'abord, on avait une cosmologie prémoderne, puis une cosmologie moderne un peu bébête, et maintenant, on a une modernité reconnectée à la planète, avec le système Terre, la transition. Voilà. Ce récit, il est lourd de colonialité aujourd'hui, et donc c'est important, quand on parle de géopolitique, de multilatéralisme environnemental, de destituer ce récit, et ce premier tour, je le trouve super important pour ça. Et alors, justement, pour enchaîner, Moira Molan, cet habité colonial dont parlait Malcolm Ferdinand, il se traduit, puisqu'il perdure, il ne s'est pas arrêté en effet avec la fin de la décolonisation, il se traduit en Argentine par un accaparement massif des terres. Vous vous battez contre cet accaparement. Les femmes, ce sont les femmes qui se battent, vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'ampleur du problème? Vous m'avez dit, c'est important d'en parler en France parce qu'il y a beaucoup de Français et d'entreprises françaises qui sont concernées. Sí, esto tiene que ver con también con lo que Malcolm planteaba, la racialidad de los territorios. Racialidad. Es decir, hay vidas, hay pueblos que son asesinables, que son invadibles, y hay el extractivismo allí encuentra su justificación con la idea del desierto. Entonces, la Patagonia es un territorio inmenso que ha sido resguardado por los pueblos indígenas, entonces tenemos mucha agua dulce, mucha vida, y las empresas extractivistas y latifundios están llegando con sus tentáculos voraces hasta nuestros territorios, con la complicidad del gobierno argentino, que vende nuestras tierras con nosotros adentro, y con la idea, una vez más, de que no hay nadie, o que la vida que hay allí no es lo suficientemente valiosa para este sistema. Oui, justement, c'était pour rebondir par rapport à ce que disait Malcolm avec la racialité et la vie des peuples. L'extractivisme qui est en train d'arriver est justement une explication, c'est-à-dire qu'il considère que notre territoire est immense. Il est très riche, on a de l'eau douce, on a beaucoup de vie, et ils considèrent que les vies qui existent à l'intérieur ne valent pas assez. Donc, tout cela de la part des grandes entreprises, mais avec la complicité du gouvernement argentin qui vend la terre, qui vend des énormes terrains, avec nous à l'intérieur. Donc, on dit que ces vies-là ne comptent pas assez, ne valent pas assez, donc on peut les vendre. Entonces tenemos un desfile muy diversificado de personajes famosos y también de empresas que aterrizan para saquear, para robar, para contaminar, para apropiarse. Tenemos desde el cantante usted, Florian Pañín, hasta la empresa Eramet, que es una empresa que sustrae litio en el norte. Tenemos a Sylvester Stallone, tenemos a Bill Gates, tenemos a Ted Turner, tenemos a el príncipe de Arabia Saudita, el príncipe de Qatar, la princesa Zorrieta. Tenemos vecinos de todos los poderes y colores que son la casta privilegiada del planeta, los principales criminales terricidas. Nous savons donc. Nous avons donc un défilé des divers personnages, des people, des entreprises, tous ceux qui viennent pour voler, pour exploiter nos terres,
pour l'utiliser. Donc nous avons les chanteurs Florent Pagny, nous avons une entreprise comme Ahmed qui fait l'exploitation des lithium, nous avons Sylvester Stallone, nous avons des princes d'Arabie Saoudite, du Qatar, toutes sortes de people. Et c'est tous ceux-là, toutes ces personnes-là qui sont la caste privilégiée, qui sont finalement eux qui commettent les terricides. Moira, juste, est-ce que vous pouvez nous donner l'ampleur des chiffres? Par exemple, je crois que Benetton, c'est l'accaparement de 1 million d'hectares pour faire des élevages de moutons pour la laine, que le prince du Qatar, c'est 650 000 hectares. Est-ce que vous confirmez ces chiffres pour se rendre compte de l'ampleur des superficies accaparées? Sí, bueno, Benetton tiene 1 millón de hectáreas, que no todo es para criar ovejas y hacer los suéteres que ustedes compran. También se ha asociado con empresas mineras porque sustrae oro. Muchísimas veces somos muy ambientalistas, pero vamos y compramos joyería de oro a Benetton, por ejemplo. Y eso ha significado represión, desapariciones, porque lo importante es entender que es una guerra contra los pueblos, que la principal industria que se erige con total poder y no es cuestionada es la industria armamentística. Y ahí todos son socios. Oui, et à Benetton, mais ils ne font pas uniquement de l'élevage des moutons. Ils se lient avec d'autres entreprises qui font de l'exploitation minière pour faire de l'exploitation de l'or. Donc ils se disent environnemental, respect de l'écologie, mais finalement ils utilisent, ils font des bijoux et ils aiment les bijoux en or. Donc tout cela s'est fait à cause de la disparition de peuple, pour faire disparaître le peuple. C'est une lutte, une guerre contre le peuple. Et en plus, ils utilisent des minéraux pour l'industrie d'armement, qui est encore plus grave. Et non seulement c'est l'extractivisme matériel de nos territoires, mais aussi l'extractivisme intellectuel, muchas veces instrumentalisé par l'académie, qui sustrae un montón de saberes de nos territoires qui finalement terminent en les mains de l'ennemi. L'académie también tiene que revisar quiénes sont sus benefactores económicos. Il n'y en a pas que l'exploitation des matières, il y a aussi l'exploitation intellectuelle. Parce que parfois l'académie prend des savoirs ancestraux, des savoirs de nos peuples, et il les donne aux ennemis. Donc il faut que l'académie se pose des questions et qu'il se demande qui sont les soi-disant bienfaiteurs. Parce que l'épistémicide fut justifié par l'académie. Épistémicide. Ha sido justificado por la academia. La academia decide cuál es el saber verdadero y cuáles son los saberes folclóricos. Y quiero enfatizar en esto y ya termino. Cuando hablaba Malcolm sobre el racismo y esta geopolítica del racismo, pensaba en cómo cuando traemos nuestros saberes ancestrales, muchos sectores intelectuales lo subestiman y entonces hay una exotización de esos saberes que luego termina en la folclorización para luego convertirse, para ser cosificado y convertirse en un producto de venta. Voy a dar un ejemplo. Donc là, je dois parler de l'épistémicide, c'est-à-dire que l'académie décide quels sont les savoirs qui sont vrais, qui sont intéressants pour eux, ou quels sont les savoirs qui deviennent juste un espèce de savoir folklorique. Pour rebondir sur ce que disait Malcolm tout à l'heure, il y a un racisme géopolitique où on utilise les savoirs, les connaissances ancestrales qui deviennent un objet exotique. Donc finalement, nos savoirs sont quelque chose qui vont être exotisés et qui vont être vendus comme un produit exotique. Je vais donner des exemples. Un exemple est la situation de las machis en el Gualmapu, en todo el territorio mapuche. Las machis son mujeres y hombres medicinas que están curando cáncer. Leí hace poco el avance de la industria farmacológica y médica en el desarrollo de posibles curas del cáncer.
Y nosotros hace siglos que se viene curando enfermedades que todavía Occidente no resuelve la cura. Estas machis están siendo encarceladas, están siendo perseguidas, porque la medicina que ellas utilizan para curar el cáncer sale de la tierra, de la naturaleza, son plantas. Y estas plantas están en territorios que están siendo invadidos por estos personajes que mencioné. Y cuando salen a protestar, nuestro pueblo sale a protestar, es reprimido, es encarcelado. Entonces, las democracias en Indoamérica son democracias tiránicas racistas. Hay una dictadura racista que cuenta con el aval de Naciones Unidas, que cuenta con el aval y la indolencia del mundo. Cet exemple donc des machis, ce sont les femmes dans les territoires mapuche qui sont des femmes guérisseuses et qui savent par exemple guérir différentes maladies dont le cancer. Donc certaines industries pharmaceutiques ou des médecines ont profité de ces savoirs et elles sont maintenant persécutées parce qu'elles savent guérir ces maladies. Et les plantes qu'elles utilisent pour la guérison sont dans certains territoires qui commencent à être envahis ou à être accaparés. Et quand mon peuple fait des manifestations pour lutter contre cet accaparement ou l'invasion de ces terres-là, et les femmes sont mises en prison, sont persécutées, et il y a la répression contre elles. Donc finalement, nous sommes en Indo-Amérique dans une démocratie qui est tyrannique, qui est raciste et qui, en plus, a souvent l'aval de l'ONU ou d'autres institutions. Merci beaucoup. Malcolm Ferdinand, je vous voyais hocher la tête pendant que Moira parlait, mais finalement, il y a des parallèles très clairs à faire avec les territoires d'outre-mer. Je pense évidemment au scandale, à l'exemple caricatural, j'ai envie de dire, de l'injustice environnementale qui est l'histoire du chlordécone. On peut rappeler ce pesticide utilisé dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe de 1972 à 1993 pour lutter contre le charançon du Banigny et qui a été interdit bien plus tôt en France. Donc... Oui. Alors, la première chose, je rebondis sur ce que Christophe disait sur l'importance des récits. Même la manière dont on va présenter et parler d'un scandale est importante. Sur l'affaire du chlordécone, le propos que vous avez dit, on a utilisé du chlordécone pour lutter contre le charançon, ce qui est répété, c'est faux. On a utilisé du chlordécone pour augmenter les richesses d'une poignée à des fins capitalistes, libérales, qui assoient une domination patriarcale sur des ouvriers et des ouvrières agricoles. Ça, c'est le récit qu'on devrait avoir. Bon, mais effectivement, c'est un cas parmi d'autres d'injustice environnementale dans le monde, de racisme environnemental, on appelle ça aussi comme ça. Je voulais revenir sur la question des savoirs abordée par Moira. Le risque d'une folklorisation, le risque de l'exotisme, appelle à une question, en fait, comment rencontrer ces savoirs, comment aborder, comment s'engager avec ces savoirs sans reproduire une forme de colonialité. Parce que ça, c'est aussi ce qu'on appelle la colonisation du savoir, la colonialité du savoir. Mais on peut imaginer, et c'est ce qui s'est passé par rapport au territoire d'outre-mer en France, quand on regarde la politique scientifique, on est dans un rapport extractiviste. C'est-à-dire qu'on va former des étudiants, des chercheurs, des professeurs qui vont partir de l'Hexagone, qui vont aller comme Tintin au Congo faire des recherches en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, et puis revenir avec le savoir et sans véritablement reconnaître une capacité de parole, mais aussi de science de la part des habitants des Outre-mer, de la part des Kanaks, des Kalinas. Hein ?
Et je pense qu'on ne pourra pas reconnaître ses savoirs sans, du même coup, reconnaître ou avoir des formes de réparation, de restitution, les capacités, comme Mural en parlait sur la capacité de soigner, mais aussi d'autres capacités de savoir. Et cela va loin, cela va très loin. Aujourd'hui, Sciences Po a ouvert, il y a 2 ans, une chaire des Outre-mer, ouvert en grande pompe avec Darmanin et compagnie, avec à sa tête quelqu'un qui, avant, n'avait jamais écrit une seule ligne sur les Outre-mer, n'avait jamais fait une seule recherche. Et ça passe crème, comme on dit. Normal. En un mois, ils ont une revue, ils ont des financements, avec l'Observatoire Terre-Monde, qui justement, nous, donc c'est une association qu'on a co-créée, justement, à la suite de ce livre, où on essaye de rendre visibles les chercheurs, les voix, hommes et femmes qui travaillent, qui pensent l'idée que d'autres corps pensent. Moi, je suis basé à l'Université Paris-Dauphine. Si je reste un peu trop longtemps, si je reste un peu trop longtemps devant l'entrée de Paris-Dauphine, au bout d'un moment, les étudiants viennent et puis ils ouvrent leur sac, ils disent « Monsieur, est-ce que vous pouvez vérifier que je peux rentrer dans l'université ?» C'est comique, mais pas tant que ça quand même. Et évidemment, ces étudiants, ils voient qu'il y a des hommes de sécurité, ils voient qu'il y a un lien entre ces hommes et moi, ils se disent « Ben voilà, forcément. » Sauf que ces hommes portent un uniforme. Moi, j'en porte pas. Ou plutôt, je porte un autre uniforme qu'ils ont reconnu. Un uniforme noir. C'est-à-dire l'uniforme du corps qui n'est pas celui qui fait science. C'est l'uniforme du corps qui va préserver les autres corps pour qu'eux, ils aient accès à la science. On passe l'entrée, si on arrive un peu tôt, on voit les femmes, notamment de l'île Maurice d'ailleurs, qui vont nettoyer. À la pause midi, on va aller se servir à manger. Ben, ce sont des Antillaises, parfois d'autres régions, qui vont nous servir à manger. On veut faire les photocopies ou imprimer les mémoires et les thèses, alors pareil, ce sont des Noirs, des Kanaks, des Réunionnais qu'on retrouve. Et puis, quand on rentre dans la salle de classe, là où le savoir se fait, là où la conférence a place, tous ces corps disparaissent. Et on peut arriver en France à une situation où on va créer des masters de politique de savoir autochtone sans les peuples autochtones. C'est ça. Donc si on décolonise pas l'idée que les peuples noirs, arabes, racisés sont aussi porteurs de science, on n'arrivera pas à engager de manière correcte et digne avec ces savoirs. Et le deuxième point que je voudrais avancer part d'une séparation historique qui a eu lieu à la fois dans le développement des mouvements écolos, mais aussi dans le développement de la pensée, des pensées écologistes. Ce que j'ai appelé dans mon livre la double fracture. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des universitaires, des militants, des chercheurs, des associations qui vont s'engager avec les questions coloniales, les questions raciales, y compris les questions afroféministes dans leur mouvement féministe. Et puis, de notre, on va avoir les mouvements qui, depuis Greenpeace, depuis Rachel Carson, 1962, vont s'engager avec les questions environnementales. Et ces deux pans ne se rencontrent peu, ne se rencontrent pas en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Je ne connais pas très bien Arles, mais je n'ai pas l'impression que cette salle soit la plus diverse qui soit. Bon. Ça fait 15 ans que je travaille sur les questions écolo en France, hexagonale. Et ça fait 15 ans que c'est comme ça. Mais ça ne fait pas 15 ans qu'on le sait. Depuis les années 70, on sait que les milieux écolos, que les cours d'université en sociologie, en philosophie de l'environnement, en anthropologie de l'environnement, sont des cours où, paradoxalement, on trouve une moins grande diversité, on trouve une moins grande présence de personnes noires, racisées, arabes et autres. Et pourtant, on continue. Et c'est ça qui est, pour moi, important de pointer. C'est que l'absence d'une partie du monde pour penser le monde ne pose pas de problème, au fond.
Au fond, on se dit, oui, bon, alors ton truc, là, machin, esclavage, ouais. Mais regarde, c'est l'anthropocène. C'est des grands trucs. Et donc, on en revient à reproduire ces formes de colonialité. Or, aller au-delà de la double fracture, c'est reconnaître précisément ces interconnexions. C'est reconnaître que le racisme a à voir avec l'écologie. Qu'il y a une continuité entre la création de parcs où des personnes majoritairement blanches, aux États-Unis par exemple, vont avoir accès, et la construction de prisons où on va parquer des personnes noires, racisées, en France comme aux États-Unis. Il y a une continuité. Et que pareil, l'écologie a aussi à voir avec le racisme. Et qu'on ne pourra pas faire face tant à la crise écologique, tant aux questions de racisme, sans avoir cette rencontre, sans reconnaître ces continuités. Et les exemples types, pour terminer, les Outre-mer sont en France les espaces où la colonialité est peut-être la plus forte. Parce que quand on y pense, on se dit, mais comment ces sociétés n'explosent pas ? On a un ministre, donc voilà, je ne sais pas si Christophe a déjà parlé de... Bon, on y arrive. Bon, voilà. Bon, on a un ministre de l'Intérieur qui est aussi ministre de l'Outre-mer officiellement, qui, dans le même moment où il réprime le mouvement d'essoulement de la terre, engage l'opération Wambushu à Mayotte. C'est aussi ça la géopolitique. C'est qu'on a une façon de penser l'écologie en étant très loin des frontières. Or, ce qui se passe aux frontières est extrêmement important, extrêmement surtout violent. La plus grande frontière française, c'est avec le Brésil. Et quand on repousse à Mayotte, quand on repousse des Comoriens, qu'est-ce qu'on dit en fait ? Donc, d'une part, c'est une forme de déshumanisation que l'on prolonge, mais on refuse le droit de terre. On dit, toi, tu n'as pas le droit d'être sur terre. Ou mon habité, c'est là qu'on reproduit l'habité coloniale, mon habité est un habité où toi, tu n'existes pas. Et au passage, avec un préfet, on peut vous applaudir. Et au passage, avec un préfet qui, à Mayotte, qui représente l'État français quand même, et qui dit, de toute façon, il faudrait qu'on en tue quelques-uns pour calmer le jeu. Je ne sais pas si vous aviez vu cette interview, c'était quand même assez éloquent. Christophe Bonneuil, bon, il nous reste un quart d'heure avant de vous donner la parole. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions et c'est important qu'il y ait l'échange sur ces sujets. Bon, on ne peut pas parler de solutions parce qu'on voit bien qu'on est quand même dans un héritage et dans une complexité importante, mais peut-être des pistes de réflexion. Vous dites par exemple qu'il faudrait développer une politique au-delà des humains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon alors, je suis désolé de détourner le cadre, mais j'ai l'impression qu'il se passe des choses très importantes et que ça résonne, et donc j'ai envie de rebondir sur Malcolm. Pas de problème. Avant de te répondre, si tu me permets. Ce que tu soulèves là, cette absence d'une partie du monde pour penser le monde, avoir le droit de dire c'est quoi, comment agir pour le vivant, comment faire transition, comment s'organiser à l'échelle internationale, c'est vraiment un point hyper important qui questionne très 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 profondément la position sociale qu'occupe l'université, l'intellectualité dans la société française et qui questionne très profondément nos conceptions de la liberté dans la société industrielle qui s'est construite après des siècles de capitalisme patriarcal blanc pour avoir toutes les cases. Et je voudrais rebondir à partir de ça sur le super livre d'Aurélien Berland qui s'appelle Terre et Liberté, qui pose justement cette question, qui dit la conception aujourd'hui dominante et qui a une généalogie plus longue de la liberté, c'est la liberté délivrance, c'est-à-dire on se sent d'autant plus libre qu'on a le pouvoir de faire les choses ennuyeuses, les interactions sociales pour s'organiser et toutes les tâches matérielles de la subsistance à d'autres. Et ce que tu dis sur les vigiles, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut considérer le travail des vigiles et des femmes de ménage au sens large comme un travail reproductif. C'est ce qui permet aux salles de nos universités, on fait des séminaires, d'être en bon ordre, d'être propre, que tout fonctionne bien, puis qu'à la cantine, on n'ait pas passé trop de temps à faire la bouffe parce qu'on fait des choses autrement plus importantes. On discute... Voilà, il y a une sorte de hiérarchie implicite de ce qui est important
et ce qui ne l'est pas là-dedans, qui est lié à notre conception à la fois d'une histoire des divisions du travail, mais fondamentalement à une conception de la liberté comme liberté délivrance. Je suis d'autant plus libre que je suis déchargé des tâches de subsistance et que j'ai le pouvoir de faire faire toute une série de tâches à d'autres corps qui sont souvent genrés et racisés. Et ce que nous dit Aurélien, là c'est une solution du coup, j'aime pas du tout ce terme, mais c'est que il faut sortir de cette conception-là de la liberté. Lui, il vient d'une tradition de pensée anarchiste et il réintroduit la notion d'autonomie, la liberté-autonomie. Alors dans cette liberté-autonomie, certes, on passe beaucoup de temps en réunion à s'organiser dans des collectifs pour des assemblées des usages, une fois qu'on a supprimé le gouvernement central et la propriété des terres et des moyens de production. Ça prend du temps, c'est ennuyeux, il faut se coltiner les rapports interpersonnels, ça, bon voilà, c'est du temps. Et on passe beaucoup de temps à faire la cantine, les repas, produire nos objets, etc. Mais on a gagné en liberté au sens de l'autonomie, d'une sorte de pouvoir collectif, de sentir notre puissance collective, notre puissance d'agir, notre puissance de nous épanouir. Et c'est cette liberté-là qu'il faut qu'on retrouve après plusieurs siècles de domination de la liberté délivrance, qui en plus, avec les technologies numériques et de l'Internet et du clic, elle est rentrée dans nos quotidiens. Mes pouces et mes index sont façonnés physiologiquement par cette liberté délivrance. Il faut qu'on sorte de ça. Je crois que je vais. Enfin, c'est déjà un sacré projet. C'était la question développer la politique au-delà des humains jusqu'au soulèvement de la Terre. Des soulèvements de la Terre. Justement, ce qui est intéressant dans le mode d'action des soulèvements de la Terre, c'est qu'à chaque fois qu'il et elle pense une action, il y a toutes. D'abord, souvent, elle est pensée à partir des territoires, des milieux, de la diversité des acteurs qui sont sur place, des savoirs, de leurs priorités, etc. Il y a 2 ans, personne ne s'inquiétait du problème des méga-bassines. Il y a eu un travail énorme qui a été situé, qui est parti des problèmes locaux, des acteurs locaux, de la Confédération paysanne, des associations, des habitants, qui, pour eux, c'était central. Dans l'espace médiatique français, ça n'existait pas encore, ce problème-là. Il a fallu cette composition-là, écouter ces savoirs et ces tactiques qui sont venues du territoire pour porter la question dans l'espace public comme ça a été le cas aujourd'hui. Et autour de chaque action, donc ces actions sont pensées depuis les territoires, et autour de chaque action, vous avez une arrière-base, des cantines, des façons de s'organiser, un espace soin, un espace anti-domination, un espace anti-REP, etc. Et finalement, dans le cadre d'une action, même une action qui détruit quelque chose, par exemple qui lacère une bassine, il y a déjà le monde qu'on veut qui est déployé dans cette action. Il y a des cantines qui se coordonnent pour faire de la bouffe pour 20 000 personnes à l'action de Sainte-Soline le 25 mars. Donc il y a une dimension, c'est pas juste qu'on est en train de saboter, de détruire, de désarmer des infrastructures qui détruisent le monde, c'est que ce faisant, par notre geste activiste même, on réinvente une autre façon d'être ensemble, dans laquelle le partage des activités de subsistance, c'est souvent les mêmes personnes qui font l'action qui, selon les cas, je ne vais pas citer des gens qui ont fait la cantine pendant un interlude, qui sont de milieux universitaires, et il y a cette question de l'égale dignité de tous les savoirs qui peut se jouer dans la façon dont on construit la lutte. Alors après, il y a plein de problèmes d'insuffisance de ce mouvement-là, mais le deuxième point que je veux souligner, qui est un point un petit peu cosmologique, justement, quand on dit soulèvement de la Terre, on ne sait pas bien, ça a été un petit peu dit mardi, je crois, par Emma Biget, est-ce que c'est nous, les humains, avec notre suprématie, qui, ayant compris que la Terre a un problème, nous soulevons pour la sauver? C'est un peu l'ancienne conception. Ou est-ce que c'est la Terre qui se soulève? Quand on dit les soulèvements de la Terre, quel est le sujet politique? C'est la Terre dans l'ensemble de ces éléments humains plus qu'humains qui est le sujet politique. Et ça, c'est une rupture idéologique par rapport, par exemple, au socialisme du 19e et du 20e siècle. Le sujet politique, c'est le travailleur exploité,
objectivement par les rapports de production, etc. Et donc c'est la figure du travailleur, figure masculine le plus souvent d'ailleurs, et blanche, qui est le moteur de l'histoire. Dans les soulèvements de la Terre, on a un moteur de l'histoire, un sujet politique qui a cet énorme, c'est hyper fécond, d'être plus qu'humain, et donc de nous appeler à des alliances, à des formes de diplomatie. Enfin, on pourrait développer là-dessus, mais je crois qu'il faut que... Non, ça va ? Oh, ok. Bon, bah, y a tout un courant ces dernières années dans l'anthropologie qu'on appelle le tournant ontologique, le tournant plus qu'humain, en France, Philippe Descola et d'autres, sur cette idée que notre cosmologie occidentale, qu'il appelle naturaliste, elle est bizarre, elle est exceptionnelle, elle est singulière et elle n'a pas raison à dominer le monde, et il en existe plein d'autres dans les différents continents. Il y a aussi toute une philosophie du vivant autour de ces humanités environnementales, Baptiste Morisot, etc., etc., qui nous appelle à penser nos rapports au vivant comme des rapports politiques. On parle de diplomatie avec le loup, et non pas, on n'est pas supérieur, sauveur, et c'est pas, la politique n'est pas un privilège des relations entre les humains. Donc ça élargit la notion de politique à une compréhension fine des gestes qui sont posés par des êtres non humains pour qu'on puisse poser des gestes adaptés, etc. Et encore un cran plus loin peut-être dans la radicalité politique, il y a le livre de Léna Ballot et Antoine Chopeau, « Nous ne sommes pas seuls », qui font une lecture libertaire, on va dire, de cette question du plus qu'humain en politique, autour justement de cette question de l'autonomie. L'autonomie est une valeur centrale dans l'histoire du socialisme, hein, la lutte contre ce qui nous aliène, ce qui nous exploite, ce qui nous met en hétéronomie, ce qui nous fait dépendre de la loi de quelqu'un d'autre et des ordres de quelqu'un d'autre. Ben, au lieu de croire qu'on est les sauveurs d'une nature un peu réifiée, qu'est-ce qui se passe si on considère que les êtres et les processus de nature ont droit à la même autonomie que nous, à laquelle nous aspirons ? Donc un fleuve a un droit de s'écouler librement, etc. etc. Et donc c'est une pensée de l'autonomie qui élargit le concept anarchiste, quelque part, à tout le vivant, et qui crée des nouveaux dialogues à partir de l'idée que finalement, le capitalisme nous crée un tort commun à nous, les corps humains blancs, les corps humains noirs, les corps humains autochtones et les corps non humains, c'est qui nous met au travail. Il nous aliène, il nous oblige à travailler pour accumuler des richesses. Donc on a quelque part une cause commune entre tout ça. Et d'ailleurs, il y a un esclave de la Barbade qu'on retrouve dans un texte de 1670, au moment de révolte anti-esclavagiste précoce à ce moment-là, et qui disait « Le diable s'est emparé de l'anglais qui veut faire travailler le noir » qui veut faire travailler la rivière, qui veut faire travailler la plante, qui veut faire travailler la forêt. Voilà. Donc, il avait perçu, cet esclave, que le problème, c'était la mise au travail, et que cette mise au travail crée un tort commun aux êtres humains et non humains. Et donc, si on regarde les gestes de marronnage des peuples mis au travail, ou des corps mis au travail, si on regarde les gestes de grève et de sabotage des corps ouvriers surexploités, on peut aussi regarder les gestes de récalcitrance des êtres non humains. Des champignons qui viennent un petit peu réduire les rendements dans les univers complètement standardisés des plantations, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gestes ? Évidemment, on ne va pas s'allier avec le virus du Covid, on ne va pas s'allier avec tout le monde. Il y a une sorte de finesse du regard à prendre, mais qu'est-ce qui se passe si on regarde l'ensemble des gestes de récalcitrance par rapport au processus généralisé de mise au travail pour l'accumulation capitaliste, et qu'on essaye de les articuler ensemble, de créer des chorégraphies de façon à activer des résistances. Et donc il me semble que ce projet-là est un projet qui est présent dans le projet des soulèvements de la Terre, qui a un peu incorporé toute une partie de ces réflexions qui sont discutées à Agir pour le vivant depuis des années, et puis qui également se sont construites à Notre-Dame-des-Landes, qui est une lutte qui a 15 ans. À Notre-Dame-des-Landes, on a accueilli chaque année, chaque été, des apatistes,
des Kanaks et d'autres peuples. Et c'est en partie de ces dialogues que ces nouvelles stratégies politiques sont nées. Et je les trouve vraiment super intéressantes. Moïra, comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de dire Christophe ? Bien, creo. Disculpen que me perdí una parte, necesitaba realmente ir al baño. Bien, je crois. Je suis désolée, j'ai dû partir faire une petite pause, donc j'ai raté un petit morceau de discours. Bien, yo quiero hablar para ir cerrando por lo menos mi parte y voy a tratar de ser breve, pero no alargarme. Durante mucho tiempo de acá, de esta parte del mundo, de donde salen las voces amplificadas, las únicas audibles para la humanidad, se planteaba el problema de la humanidad en una idea de binarismo. Ici, dans cette partie du monde, de sorte de voix amplifiée, c'est ici qu'on avait souvent une notion de binaire. Y como me gusta cocinar, voy a ponerle un ejemplo. Imaginamos un pastel, una torta. Et donc, j'aime bien faire la cuisine, alors je vais donner un exemple concret. Si vous imaginez, par exemple, un gâteau. Entonces, el capitalismo decía, se va a distribuir esta torta de acuerdo a quien tenga el cuchillo más filoso y va a cortar la porción según su capacidad para acumular. Y su vara, su medida, se basaba en que quien afilara mejor el cuchillo va a comer la porción más grande. Donc, si c'était le capitalisme qui allait couper ce gâteau, il allait utiliser les couteaux les plus pointus pour pouvoir le faire. Et il allait découper selon le meilleur couteau. Donc la personne qui aurait les meilleurs couteaux aurait donc la meilleure partie du gâteau. Pero resulta que después nace una voz, el comunismo, diciendo no, todos debemos comer de la torta. Y las porciones tienen que ser equitativas y todos por igual van a comer. Mais après, il y a le communisme qui a dit ah non, 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 il faut que tout le monde mange le gâteau. Donc, on va couper ça en part égale pour que tout le monde puisse avoir une partie. Pero los pueblos telúricos de todo el mundo nos estamos levantando y decimos no queremos esa torta, porque los ingredientes con que fue amasada esa torta no nos identifica. No queremos el antropocentrismo, no queremos el patriarcado, no queremos el materialismo, no queremos el racismo. Mais nous, le peuple tellurique, nous sommes en train de dire, nous, on ne veut pas de ces gâteaux-là, parce que les ingrédients de ces gâteaux ne nous conviennent pas. Nous ne voulons pas d'anthropocentrisme, ni de patriarcat, ni de matérialisme, ni de racisme. Y el especismo. Et on ne veut pas d'espécisme non plus. Proponemos amasar un nuevo pan. C'est ce qu'on veut, se faire un nouveau pain, un nouveau gâteau. Un pan que contenga ingredientes para reparar la relación armónica con la tierra y con todas las vidas y las formas de vida. Ces pains-là auraient des ingrédients pour qu'on puisse réparer tous les rapports que nous avons avec la terre et les rapports que nous avons avec les vivants. Y los pueblos telúricos se están despertando a lo largo de todo el planeta. Y nuestra tarea es despertar a los pueblos domesticados. Le peuple tellurique sommes en train de nous réveiller dans toute la planète et nous nous sommes donné comme tâche de éveiller le peuple domestiqué. Y en los pueblos telúricos tenemos de todo. Hay hacedores y hacedoras, hay pensadores y pensadoras y hay habladores y habladoras. Et dans le peuple tellurique, nous avons de tout. Nous avons des personnes, des hommes et des femmes qui font, des hommes et des femmes qui pensent, des hommes et des femmes qui parlent. Quizás lo mejor que podemos hacer es empezar a silenciar las palabras para que hablen los hechos. Donc je pense que le mieux qu'on peut faire, c'est de donner un peu de silence à tout ça et plutôt avoir des faits, des actions.
Las mujeres indígenas, el pueblo mapuche y los pueblos indígenas estamos hablando con hechos, estamos recuperando territorio, estamos recuperando nuestra espiritualidad, porque no puede haber una ecología de lo justo si no se interpela la violencia religiosa, la violencia que negó la existencia de ese portal de comunicación con la tierra, porque no es el hombre y la naturaleza. Somos naturaleza, somos montañas, somos ríos, somos viento, necesitamos recuperar nuestra espiritualidad. Los pueblos indígenas estamos en ese camino. Donc nous, les peuples autochtones et les femmes, nous sommes en train de lutter pour récupérer des territoires, pour faire des actions, pour faire quelque chose de juste. Nous voulons lutter contre la violence des religions qui a décidé qu'il y avait l'homme d'un côté et la nature de l'autre côté. Pour nous, cela n'est pas vrai. Pour nous, nous sommes les fleuves, nous sommes les vents, nous sommes la terre. Para cerrar, les cuento un secreto. Hoy, una persona, no sé si Patrick está acá, Patrick. Est-ce que Patrick est ici? Non, no ha venido. No. Un vecino de acá, de Arles, esta mañana llevó a mi hija y a mí a un lugar donde hay restos arqueológicos del pueblo celtas y galos. En esa zona a la que fuimos hoy se realizaban ceremonias, vivían, me dijo, alrededor de 1,000 personas y probablemente tras miles de años, hoy fue la primera vez que se hizo una ceremonia que no correspondiera a las religiones coloniales. Hoy, tras miles de años, con mi hija, pudimos hablar a la montaña, pudimos hablarle al río, pudimos hablarle al bosque y pedirle por Arles, y pedirle por el pueblo de Francia, y pedir que abra los portales de nuestro corazón. Creo, y cierro, creo que en este dejar de hablar, que le estoy pidiendo a Occidente, que le estoy pidiendo a Europa, que se calle una vez, por primera vez que se calle y escuche a ese otro mundo que está despertando y que tiene mucho para decir, que podemos escribir millones de libros, pero si no empezamos a recuperar la palabra con la tierra y el hacer con la tierra y desde la tierra, va a ser muy difícil parar este terricidio. Romé Mañón, muchas gracias. Donc aujourd'hui, notre voix Saint-Patrick nous a amené, ma fille et moi, pour visiter des ruines archéologiques des Celtes et des Gaulois. Il nous a raconté que là-bas, il faisait des cérémonies il y a plus de 1,000 ans. Et avec ma fille, on a aussi fait une cérémonie qui n'était pas du tout celle qu'on fait ici. On a parlé aux montagnes, on a parlé avec les fleuves, on a parlé à la forêt et on a demandé... pendant que nous faisions cette cérémonie, pour que Arles, pour que la France, pour que les gens qui habitent ici nous écoutent. Je pense qu'il est temps de dire à l'Occident qu'il est temps de se taire, qu'il est temps d'écouter les peuples telluriques, d'écouter qu'il y a d'autres mondes qui ont des choses à leur dire, qu'on a beaucoup à dire, qu'on est en train de se réveiller et qu'on doit... sentir, penser et créer avec la terre, avec les liens avec la terre. Malcolm, une réaction et puis après on va faire des échanges. Il nous reste un petit peu de temps. J'ai vu que vous aviez noté des choses, donc je me dis que ça vous faisait réagir, non? Tout à fait. Vous aurez compris que à chaque fois, j'essaie de essayer de montrer les faces cachées, y compris des entre guillemets des solutions proposées ou des propositions conceptuelles théoriques, y compris celles d'Aurélien Berland, y compris celles de Descola et de Latour. Quand on parle du tournant ontologique.
donc de ce moment où il y a une tradition de pensée philosophique occidentale qui se dit, ah ben tiens, les hommes, les humains ne sont pas les seuls sujets politiques. En fait, qui tourne ? Qui est dans la voiture qui prend ce tournant ? C'est les Occidentaux. Hein, on ne parle pas des peuples colonisés, on ne parle pas des peuples autochtones, on ne parle pas des peuples transbordés dont je suis issu. Et ce qui est vraiment, quand on se pose la question où atterrir, l'un des livres remarqués de Bruno Latour, ma réponse, mais qui a décollé ? Qui a décollé ? Il y en a qui n'ont pas décollé, qui sont là. Et le danger est quand ceux qui ont décollé décident d'atterrir et se voient arriver tel Robinson Crusoe sur une île déserte et dire voilà, on va redécouvrir le vivant. Et on va continuer à effacer l'existence, les savoirs des peuples colonisés, esclavisés, des peuples autochtones qui ont été dominés et qui restent dominés aujourd'hui. Il faut voir la situation. Les Outre-mer en France battent tous les records en termes d'indicateurs sociaux, en termes de taux de pauvreté, en termes d'inégalité sociale, en termes de taux de chômage. Mais y compris au sein de ces territoires, les peuples autochtones comme les Kalina ou les Kanak aussi sont dans des situations encore pires. Bon, donc la domination continue. Et il faut pouvoir rencontrer l'autre. Reconnaître l'autre, sa dignité. Et quand on arrive avec ces grands pompes, ah ben voilà, du haut de mon université, j'ai décidé qu'en fait, il faut tourner ontologiquement et que maintenant, on va parler du vivant. Alors qu'en fait, il y a des millénaires d'histoires de personnes qui sont déjà dans des pratiques qui sortent de ce grand partage dont Descola parle. Et la question se pose la même pour l'autonomie. Ces peuples avaient déjà une autonomie. Pourquoi ils ne l'ont plus ? Comment veut-on tout d'un coup promouvoir l'autonomie si on ne reconnaît pas qu'il y a une partie de la population de la Terre qui n'a pas l'autonomie à cause de ces processus capitalistes, coloniaux et impérialistes ? La question se pose ici, là. En 2001, la France passe une loi, dite loi Taubira, qui reconnaît que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Qui dit crime en justice dit une forme de compte, une forme de conséquence, une forme de réparation. Or, à ce jour, après avoir engagé la traite négrière transatlantique, après avoir mis en esclavage des millions de personnes, la France, en tant que pays, aujourd'hui, n'a fait aucun geste conséquent pour reconnaître ce crime. Or, la reconnaissance de ce crime conséquente est la condition d'une reconnaissance de l'autre en tant qu'autre digne. L'exemple, enfin, ça va loin. Au moment de l'abolition de l'esclavage, comme vous le savez, ce sont les maîtres qui ont été dédommagés. En fait, les anciens esclaves ont été rachetés par l'État et on a donné l'argent. C'est-à-dire que l'abolition de l'esclavage a donné lieu à une augmentation du capital financier des maîtres. Et l'histoire, là. On peut même dire que cette compensation des planteurs est l'origine de la compensation écologique. C'est une pensée économiciste et dominatrice. Bon, dans la... Et les historiens, sur ton histoire économique, sont capables de retracer à travers les archives l'histoire de ces sommes et de voir ce qui a été construit, le palais Élysée, ce qui a été, qui en a bénéficié, les universités, le CIC, etc. etc. Et donc là, mais tout ça participe d'une reconnexion, enfin, c'est mon propos, d'une reconnexion, de réengagement avec le vivant. Et donc, mais ça participe aussi de la question du temps. Qui dit accumulation dit temps. Hein. Ce sont des accumulations, ce sont des dominations qui se traduisent sur des centaines d'années. Ça veut dire que les politiques aujourd'hui que l'on met en place pour pouvoir agir pour le vivant, pour pouvoir reconnecter, doivent aussi s'inscrire dans une perspective historique, y compris donc, dans
dans le passé, mais le passé n'est pas passé. Dans certaines cosmogonies, y compris cosmogonies afro-brésiliennes, le passé est devant nous. Mais aussi dans une perspective transgénérationnelle. Et je vais terminer là-dessus, pour moi, l'important, la question de la rencontre, avec cette invitation de France Fanon, dans Peau noire, masque blanc. Supériorité, point d'interrogation. Infériorité, point d'interrogation. Pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre ? Ma liberté ne m'est-elle pas donnée pour édifier le monde du toi, Théoï ? Merci beaucoup. Voici venu le temps des questions après ce débat extrêmement riche. J'imagine qu'il va y avoir énormément de questions. Alors, on a une petite demi-heure. Je ne sais pas où sont les micros. Il faut que je vous précise une chose qui est que il faut que vous vous leviez quand vous posez la question parce que comme il y a des gens qui nous suivent en visio et qu'il y a des caméras qui vont vous filmer, si vous ne vous levez pas, on ne pourra pas vous voir. Mademoiselle. Bonjour. Merci de m'avoir fait ce débat. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Alors, je me présente. Je suis artiste chercheuse visuelle et je me concentre beaucoup sur les notions, sur la mémétique. La mémétique est la notion, l'étude en fait des concepts et de leur circulation pour justement améliorer ou changer les cultures. Dans votre débat, j'ai vu qu'il y avait beaucoup en fait de choses que j'appelle la fragmentation des mèmes. Qui est en fait le fait d'utiliser beaucoup de mots pour parler de la même chose. Et en fait, ma question s'adressait beaucoup plus à Christophe parce que justement, il chercherait à. Il est là, il est là. Ok. Alors, la première question que j'ai, c'était pourquoi est-ce que vous situez la date où tous ces traumatismes ont commencé à il y a seulement 500 ans ? Parce que selon moi, en tout cas, et aussi par rapport aux études et aux cours que j'ai pu donner, je vois que le traumatisme, en fait, même si jamais les personnes blanches ne peuvent pas se voir comme étant des personnes racisées, elles le sont quand même. C'est ce que la racialisation des personnes blanches est vue comme étant une norme qui doit être adoptée et pour lesquelles les autres réalisations doivent aussi abandonner la leur, c'est-à-dire abandonner leur culture. Du coup, face à ça, il y a beaucoup la notion justement de narcissisme, mais qui sont venus en fait en Europe par le Moyen-Âge. Donc c'est pour ça que je posais la question de pourquoi vous datez ça à 500 ans. Ensuite, la seconde question que j'ai, c'est est-ce que dans vos études, à vous tous, est-ce que dans vos créations, vos publications, vous reconnaissez l'importance en fait de se placer dans un contexte qui est raciste et de placer sa racialisation au devant de ses propos car elle modifie en fait la façon dont vous appréhendez le monde. Et si oui, est-ce que vous avez des conseils du coup par rapport à ça, vous aussi Christophe, par rapport justement au fait que l'assemblée ne soit pas très diverse, je pense qu'ils résonneront beaucoup avec vous. Et pour les autres, c'est désolé. Si c'est pas le cas, bah oui, est-ce que je pourrais aussi avoir une justification pour ça? Voilà. Alors deux questions. Christophe. Attention le micro, voilà, parfait. Je vais essayer d'être court parce que j'en ai marre de. Oui, parce qu'il faut qu'on prenne un maximum de questions, donc il faut jouer le jeu des questions courtes et des réponses courtes. Alors c'est vrai que l'esclavage existe depuis des milliers d'années, qu'il n'a pas été spécifiquement de blancs dirigés contre des noirs, qu'il y a une histoire plus complexe, il y a une histoire mondiale qui a été faite, etc. Et même plus spécifiquement que c'est seulement à partir du XVIIe siècle que les corps esclavisés sont de plus en plus racisés. Et qu'il y a une sorte de monopole de l'esclavagisation des Noirs, alors qu'avant, on mettait en esclave toutes sortes de prisonniers de guerre, etc. Donc c'est un processus historique, on pourrait pas dire, depuis la nuit des temps, les Blancs ont toujours associé esclavagisation et racisation des corps noirs. Quoi. C'est une construction historique qui s'est renforcée, solidifiée au cours du XVIe, XVIIIe siècle. Il y avait une autre question dans votre question qui est quand nos problèmes ont commencé.
Est-ce que c'est seulement il y a 500 ans avec le capitalisme et la colonisation européenne du monde? Est-ce qu'il n'y a pas, etc. C'est tout un débat de savoir quand est, depuis quand on a déréglé la planète. Il y a plein de thèses. Il y a des gens qui disent que c'est seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale que commencerait l'Anthropocène. Il y a la proposition initiale de Crutzen qui était de dire que c'est la révolution industrielle, l'entrée dans un capitalisme industriel fossile avec les machines à vapeur qui dérèglent le cycle du carbone. Il y a une autre thèse qui est celle du capitalocène, donc c'est avec plutôt la colonisation européenne, le moment post-Christophe Colomb après 1492. Et il y a encore une autre thèse disant finalement l'espèce humaine a toujours été une catastrophe écologique, on a tué les grands mammifères il y a 50 000 ans, avec l'agriculture au néolithique on a commencé à tout standardiser, on a inventé les villes, etc. Et donc il y a un débat sur... à partir de quand le problème a commencé? Moi, j'avoue que j'aime bien le il y a 500 ans, parce que si on commence à dire ça fait 50 000 ans, tout le monde est responsable au même titre, parce qu'on est tous quelque part... Il n'y a plus beaucoup de peuples, qui ne sont pas... qui sont restés chasseurs-cueilleurs ou cueilleurs-chasseuses. Et donc c'est 99% de l'humanité qui serait héritière et héritier de ceux qui ont déréglé la planète, et on serait tous responsables de la même façon. Et je trouve que c'est faux historiquement, parce qu'il y a eu d'abord une anthropisation puis un dérèglement planétaire, et qu'il faut peut-être quand même mettre des nuances dans les transformations voilà. Et politiquement, ça serait une erreur, parce qu'on ne peut plus avoir ce dialogue à égale dignité des peuples entre des gens qui ont hérité de violences et des gens qui sont les héritiers des personnes qui ont provoqué ces violences. Je crois que la première chose à faire pour que le dialogue puisse se faire, c'est qu'on reconnaisse ça, qu'éventuellement on s'excuse, on répare en tant qu'institution. Je ne dis pas que chacun doit être en permanence en train de s'autoflageller, mais qu'il y a une sorte de devoir de reconnaissance de oui... on a fait des erreurs, on a fait des violences, et ça doit être dit, ça doit être ritualisé, ça doit être la source de nouveaux dialogues, etc. quoi. Et du coup, j'ai une petite préférence pour il y a 500 ans, et donc la thèse du capitalocène, même si elle est réductrice, parce que tout est intersectionnel, qu'il faudrait parler du patriarcat, qu'il faudrait parler de... etc. C'est pas celle que choisissent les géologues. Ils préfèrent dater l'anthropocène de 1950 à peu près. Mais je pense qu'elle tient la route, y compris géologiquement. Parce qu'il y a 200 millions d'années, il y avait un seul continent qui était le Gondwana. Et donc, toute la vie avait un seul arbre évolutif, parce que tout était à peu près connecté à tout. Et qu'au moment de la séparation de l'ancien et du nouveau continent, on a eu des évolutions parallèles de deux formes de vie. On n'a pas eu le maïs dans l'ancien continent, il est apparu aux États-Unis, en Amérique. Lapsus révélateur, puisque c'était plutôt en Amérique centrale. Donc il y a une sorte de divergence évolutive de la vie qui finalement a été... il y a une sorte de réhomogénéisation biologique du globe après l'échange colombien, où là les microbes ont circulé, les plantes ont circulé, etc. Et quelque part, les géologues, s'il y a des géologues dans 10 millions d'années, ils verront ce moment politique génocidaire qu'a été la conquête de l'Amérique, ils le verront dans les fossiles, ils le verront dans les sédiments. Ils s'apercevront que la vie qui était séparée entre deux continents s'est retrouvée réunifiée par cet échange colombien. Donc, je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a à la fois une réalité géologique et une réalité politique, si on prend ce moment-là comme un moment clé. Quoi. Voilà. Madame, je trouve votre dialogue à tous les trois d'une telle importance et un tel exemple d'intelligence collective, c'est-à-dire d'interaction entre vous, où chacun, à partir de votre expérience propre, vous arrivez à faire un langage commun extraordinaire dans la philosophie que ça représente. Et donc, cette importance de votre dialogue et du sujet dont il parle me fait vous demander, est-ce que vous trouveriez important et carrément indispensable de vous mettre en lien avec Philippe Descola, Alessandro Pinochi,
Et d'un autre côté, des spécialistes des forêts, comme Ernst Zürcher, Laurent Tillon, qui aurait dû être là dimanche malheureusement et il semblerait qu'il ne sera pas là, dans la manière de considérer nous sommes tous la nature. Hein, et de faire, dans ces échanges, avec toutes ces personnes, donc ceux qui sont encore vivants, avec Baptiste Morisot bien entendu, celle qui s'occupe des oiseaux, là, comment elle s'appelle ? Vinciane Després. Voilà. Hein, avec que des blancs, hein. Oui, donc, mais justement, mais on peut, voilà, rajoutons-en que j'ignore, hein, de constituer un collectif de réflexion pour que il en émane à la fois une compréhension qu'on partage des sujets et de qu'est-ce qu'on fait, avec qui on le fait, dans quelles circonstances. Voilà. Merci pour cette idée. On va y revenir. Bah, on va prendre plusieurs questions parce que sinon on ne va pas y arriver. Vous pouvez donner le micro, madame, s'il vous plaît, derrière, là. Ah, voilà, il y a quelqu'un pour le faire passer. Madame. Bon, là. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Excusez-moi, c'est pour les gens qui nous regardent à distance. Merci. J'aimerais savoir quel est votre sentiment personnel sur la création des parcs nationaux, la création et quelquefois l'imposition des parcs nationaux. Des parcs nationaux aussi. Oui, c'est ça, parcs nationaux. Ok, les parcs nationaux, très bien. Une autre question ? Par là-bas, je ne sais pas, là ? Il faut que vous fassiez suivre le micro, là où moi je ne peux pas apporter de micro. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ? Ah là, vous avez une question, pardon, je n'avais pas vu que vous aviez le micro, allez-y. Bonjour. Je vous en prie. Simon Fellou, chercheur en agriculture et en écologie. Je voudrais commencer par remercier Malcolm et Moria pour ce témoignage qui, en tant que chercheur blanc, homme, issu de l'immigration, mais néanmoins blanc et homme. Ça m'ébranle fortement et je pense que ça va prendre du temps pour pouvoir digérer ce que vous avez témoigné aujourd'hui. Ce que je voudrais maintenant, ce dont je voulais parler, c'est plutôt en tant que chercheur, faire état du fait que cette question de qui produit la connaissance, qui l'agrège, donc ses différentes origines, et ensuite qui la possède, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui agite à l'intérieur des communautés scientifiques et qui a une hétérogénéité, une diversité au sein des communautés scientifiques. Et notamment, je pense qu'il y a un combat politique qui n'est pas forcément visible, c'est pour ça que j'essaye d'en parler maintenant. C'est-à-dire que si aujourd'hui nos instituts nous demandent de produire une connaissance qui est commercialisable, et donc ce qui nous amène très fortement justement à une approche d'exploitation comme celle qui a été décrite aujourd'hui. Il y a aussi un petit nombre de personnes qui essayent de se positionner dans une science qu'on dit transdisciplinaire, qui par définition casse les frontières entre les différents types de connaissances et qui donne une valeur au savoir de terrain. En fait, chaque être vivant peut apporter une forme de connaissance. Et quand on essaye de déployer ce type de trajectoire, de transdisciplinarité dans les instituts, en fait, c'est très difficile. Et pour résumer les choses simplement, quand j'essaye de le faire au sein de l'INRAE, où je travaille, on me répond « arrête de faire de la politique, retourne faire des articles sur les mouches ». Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre conscience en tant que scientifique, justement, de l'enjeu politique, de la manière dont on fait notre travail. Merci beaucoup pour ce témoignage. Une autre question ? Il y en a devant, là. Personnellement, j'ai une question très courte pour Moïra sur la spiritualité mapuche et à quel point elle passe par le corps et les sensations. Alors, quelle est votre question ? À quel point la spiritualité passe par le corps ? Non, à quel point la spiritualité mapuche passe par le corps et les sensations. Ok. Le lien à la terre qui passe plus par le corps. On va prendre une dernière question, puis après on va commencer à répondre. C'est ok si je la prends ? Allez-y, mais on refera un tour après. Hein. D'accord. Merci beaucoup pour tout ça. Je me présente rapidement. Je suis militant polynésien. Je suis arrivé en France il y a 2 mois pour parler de ces sujets-là, de la Polynésie française, où j'ai pour mission aussi de vous communiquer un chiffre qui nous tient bien à cœur, c'est 193. C'est le nombre d'essais nucléaires qui ont été menés par la France dans mon pays. Donc des bombes qui explosent sur nos océans, très loin de la France. Je suis là pour travailler là-dessus et ma question c'est, est-ce que quand vous faites ce genre d'intervention, vous parlez de colonialisme, est-ce que vous ressortez de là avec un sentiment d'avoir été réellement écouté, d'avoir été mis à une place très importante, est-ce que vous sortez de là avec l'idée que vous avez été vraiment écouté et compris ?
Et ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous sentez cette dynamique de la reconnaissance de ce colonialisme, de cette domination qui n'en a clairement pas fini? Parce que nous, en Polynésie française, notamment sur les essais nucléaires, on est un peu loin de sentir qu'on a été reconnu, ne serait-ce qu'à chaque nouveau président de la République, on fait la demande, cette petite demande depuis mon année de naissance. Est-ce qu'on peut avoir des excuses publiques de ce qui s'est passé? On n'en a pas encore eu. Et on est énormément dans... On a l'impression que ce combat, il rame un petit peu. Et j'aimerais beaucoup avoir le sentiment d'autres peuples qui ont été dominés et que ça continue encore et que presque ces nouveaux discours écologiques et tout viennent un peu étouffer ces questions-là qu'on essaye de porter depuis très longtemps. Et on a du mal à presque rentrer en concurrence avec ces nouvelles discussions. Donc comment est-ce que vous sentez cette dynamique de reconnaissance? Merci. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de questions. Oui, mais on va refaire un tour. On va déjà répondre peut-être aux questions qui ont été posées. Le collectif, ben ça, j'imagine que vous pourrez en parler après. Pardon ? Oui, s'ils sont d'accord, mais ça, vous en parlerez peut-être après. Il existe déjà plein de collectifs. Je pense que c'est quelque chose qui peut se construire après. Les parcs nationaux, c'est toute une histoire. Sur le corps, Moïra d'abord. Ok. Bien. Con relación a todas las personas que mencionó la compañera, no tengo ni idea, pero mis expertos en bosque son Isabel Catrimán, Segunda Huenchunao, son cada hermana indígena que no hizo ninguna capacitación académica y son expertas en bosque, en selva, en resguardar la vida. Esos son mis marcos teóricos. ¿Te le paso el micrófono? Y justamente los parques nacionales, no sé cuál será la historia en Europa, pero en Argentina los parques nacionales son criminales. Los parques nacionales que fueron resguardados por los pueblos indígenas, Parque Nacional Iguazú, los parques que están en la Patagonia, todos esos bosques prístinos, esos bosques resguardados por los pueblos mapuches, por el pueblo en Biá Guaraní, por las distintas naciones, para ser creados fueron desalojados con violencia. Y ahora esos parques hacen grandes negocios con grandes hoteles. Y esos pueblos que resguardaron el agua, que resguardaron la selva, que resguardaron el bosque, esos pueblos están siendo diezmados porque justamente se han quedado sin agua, se han quedado sin territorio. Los guardaparques, que son los obreros que trabajan supuestamente cuidando los parques, son asesinos y se manejan como fuerza policial. Entonces, los parques nacionales son una forma de extensión de la militarización de los pueblos. Los parques no es para el libre acceso y el cuidado de la gente. Es especulación inmobiliaria, es especulación de la industria turística, es una forma de devastación simulada. No hay autodeterminación de los pueblos en el resguardo de esos territorios. Alors, pour répondre par rapport au collectif, moi j'ai travaillé avec Isabel Catrimán, qui est une femme indigène. Elle n'a pas eu besoin d'aller à l'université pour connaître beaucoup de choses sur la nature. Et donc, ça, c'est plutôt mon cadre théorique pour moi, pour mon travail. Et ensuite, pour répondre à la question sur les parcs nationaux, je ne connais pas les statuts ou l'histoire des parcs nationaux en Europe, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Argentine, les parcs nationaux opèrent d'une façon criminelle, c'est-à-dire que ces parcs, ces territoires qui étaient anciennement gardés, auxquels les indigènes prenaient soin, je parle par exemple de Iguazú ou de certains territoires de la Patagonie, tous ces territoires étaient traditionnellement gardés par des peuples Guarani, par des peuples Mapuche. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ces territoires opèrent avec violence pour chasser les populations autochtones. Ils sont accueillis des hôtels. Et donc, le peuple qui était en train de garder l'eau et la nature de ces territoires-là se retrouve sans eau, sans terre, sans territoire. Et les gardiens, les gardes-parcs qui arrivent maintenant,
utilise la violence, utilise un système policier, des veilles policières. Donc finalement, toute la création des parcs en Argentine est en réalité une spéculation immobilière où il n'y a pas un libre accès à la nature comme ça devrait l'être. Merci beaucoup. Malcolm. Alors, rapidement, je vais juste remercier le collègue pour son engagement transdisciplinaire. Bon courage. Tout simplement, c'est l'association que j'ai co-créée, qui s'appelle Observatoire Terre-Monde, est exactement ce qu'on essaie de faire, mais avec plus de chercheurs qui sont issus des territoires dits d'outre-mer, parce que l'outre-mer est un mot colonial aussi, mais aussi des régions proches, notamment le Brésil, etc. etc. Donc, mais on pourra parler après. Et pour l'autre camarade dont je n'ai pas entendu le nom, mais première chose, il faut qu'on parle après. Première chose. C'est une vraie question qui se demande, en fait, quel est l'objectif ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je fais ce que je fais ? Est-ce que mon objectif est d'être entendu ? Ou qu'est-ce que ça signifie d'être entendu ? Ce sont des grandes questions. Je donne deux éléments de réponse. La première est que les propos que je tiens, mon action, mon écriture, n'est pas conditionnée à la réception de l'autre, toujours. J'ai des autres en tête, l'exigence décoloniale, elle est intransigeante, en fait. C'est-à-dire que, ici, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, vous m'avez entendu. Vous avez entendu quelque chose qui peut être, je ne sais pas, ça dépend des gens, mais en tout cas, il y a une voix, il y a une présence, et comme la vôtre, une présence qui rappelle encore une fois l'échec du projet colonial français. La deuxième chose, en fait, je crois que chacun on mène des actions, et de qui sommes-nous responsables ? C'est-à-dire, quel est à qui on s'adresse précisément ? Je sais que quand j'ai fait mon parcours intellectuel ou éducationnel, universitaire, savoir qu'il y avait d'autres personnes avant moi, des Angela Davis, des Bell Hooks, des Frantz Fanon, des Oscar Temaru, des Moïta Bonverson, et Jean-Marie Tibaou, Wangari Maathai, ces personnes qui peut-être, au moment où elles parlaient, certains ont les mains en prison, certains sont dominés, savoir que ces personnes-là existent, ça m'a aidé personnellement à faire ce travail, parce qu'effectivement, on n'est pas aidé ici. Personne, quand je faisais ma thèse, personne m'a dit, à part très très peu m'ont dit, ça c'est un sujet intéressant. Donc je pense que nous qui avons la possibilité de le faire, on doit parler. Et d'une certaine façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de continuer à faire ce qu'on fait. Merci. On va reprendre quelques questions, madame. Oui. Merci, bonjour. Moi, c'est un peu en continuité avec ce que vous venez de dire sur votre parcours en tant que chercheur. Et donc, depuis le début du festival, donc, j'ai écouté hier Fatima Wassak, j'ai écouté Moira Milan. Aujourd'hui, je vous ai écouté, vous tous. Et moi, je me demandais, en tant que personne qui produise de la connaissance, moi, je travaille dans l'édition, donc je participe à faire des livres. On est ici dans les locaux d'une maison d'édition. Et en écoutant tout le monde, pour moi, l'objectif qu'on doit tous et toutes suivre, c'est vraiment la souveraineté politique des peuples telluriques, comme vous les appelez, et vraiment l'autonomie de tous les peuples telluriques du monde, en Afrique, dans les Amériques, en Polynésie, pour que ces personnes-là, ces nations, puissent prendre soin de leur terre et de la terre en général et revenir à ces formes de vie qui ne sont pas mortifères. C'est ça l'objectif. Donc pour moi, à votre avis, pour tous les chercheurs et aussi les militantes, les militants, comment les sciences sociales, comment la production du savoir, elle peut vraiment nous mettre dans cette direction-là sans qu'on soit encore dans l'extractivisme des savoirs. Et voilà, pour moi, plus j'écoute et plus j'assiste à des conférences comme ça, plus je me demande vraiment est-ce qu'on sera un jour sorti de l'extractivisme des savoirs et comment on peut arrêter d'informer vraiment l'État, le capital, de donner ces informations à ces, comme vous disiez si bien, aux ennemis. Voilà. Merci.
Merci. Une autre question, monsieur ? Bonjour, merci beaucoup pour les échanges, c'est passionnant. Je suis designer, j'ai monté un collectif de designers qui explore comment, qui recherche comment dessiner pour des non-humains. Et du coup, j'aurais une question sur la politique au-delà des humains, qui s'adresse à tous les trois. Vos idées, vos pistes, ce que peut-être vous pratiquez déjà, je pense notamment au peuple tellurique, sur qui parle au nom des non-humains, comment on fait parler les non-humains, est-ce qu'il y a des outils, des idées, des méthodes pour faire parler les non-humains, vivants ou non-vivants, je pense notamment aux forces telluriques. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question ? Non ? Alors on répond, parce qu'il y a des impératifs pour certains intervenants juste après, donc on ne va pas pouvoir déborder beaucoup. Donc sur cette question du rôle des sciences sociales et comment sortir de l'extractivisme des savoirs, Christophe ? Je vais bien dire quelque chose. Moi aussi, ce qu'a dit Malcolm me déplace dans mon privilège blanc d'universitaire. Je suis ton éditeur, donc j'ai une relation de pouvoir avec toi, etc. Et donc tu es venu déplacer ça aujourd'hui. Et je t'en remercie. Et du coup, je voudrais donner... J'ai toujours, ça fait depuis les années 90 que je suis chercheur en histoire, sociaux des sciences, histoire environnementale, et j'ai toujours eu les fesses entre deux chaises, entre la curiosité, l'amour de la recherche, et en soi, une espèce de rapport à la vérité qui m'anime et qui me passionne, et de l'autre côté, une envie d'être utile pour renverser des dominations, etc. Et j'ai toujours vécu comme un tiraillement, avec des moments où j'ai voulu arrêter la recherche, j'ai rencontré des paysans boulangers dans le réseau Semences Paysages, je les ai trouvés tellement merveilleux que je me demandais si j'allais pas devenir paysan boulanger, etc. Mais il y a trois moments où je me suis senti vraiment heureux de faire de la recherche en sciences sociales. Le premier moment, c'est pendant ma thèse. Je travaillais sur l'histoire coloniale au Sénégal et les experts coloniaux de l'arachide qui essayaient de faire produire plus d'arachide aux paysans sénégalais. Et je m'intéresse à la création d'une station dans les années 20. Et je regarde les archives et puis un peu plus tard me vient l'idée si j'allais voir les papis et les mamies Wolof et Serrer qui habitent autour pour qu'ils me racontent eux leur regard sur l'histoire de cette station. Tout à coup, je découvre un truc que je n'avais pas vu dans les archives, c'est que pour eux, c'est une spoliation. On leur a pris 500 hectares, il fallait qu'ils fassent tout le tour d'une barrière clôturée pour accéder à leurs champs, etc. Et qu'il y avait un rapport colonial dans cette histoire, qu'il y avait aussi des conflits entre chefferies africaines différentes, un chef de canton qui se venge contre un village, etc. Et qu'ils arrivent vers moi et me disent « Mais nous, on veut récupérer nos terres parce qu'à un moment, le pouvoir colonial nous a promis qu'on serait dédommagé. » Et du coup, je me suis retrouvé à travailler quelques semaines, revenir aux archives et à leur envoyer un rapport de 10 pages sur ce que moi, j'avais trouvé dans les archives pour les aider, enfin, pour leur mettre à disposition une information pour qu'ils puissent réclamer des terres. Ça n'a pas marché. Un deuxième moment, j'ai travaillé beaucoup sur la controverse OGM, le mouvement des faucheurs, etc. Et à un moment, ils m'ont demandé de témoigner dans un procès, plusieurs fois. Et après avoir fait mon témoignage sur ce que moi j'avais compris de l'histoire des biotechnologies, du brevet, de la non-mise en démocratie des choix techniques qui fait qu'à un moment il faut faire un geste de destruction pour être entendu, que parfois la démocratie délibérative institutionnelle ça suffit pas et qu'il y a, etc. Je me retourne et je regarde dans la salle et je vois un regard incroyablement sympathique et reconnaissant des faucheurs qui étaient en procès à ce moment-là, et je me suis dit, tiens, j'ai jamais eu ça dans un séminaire. Cette espèce de chaleur humaine, cette impression de me sentir utile, je me suis dit, waouh. Bon, et le troisième moment, c'est en ce moment autour des soulèvements de la Terre, le fait de me sentir partie prenante, pas par au-dessus, en tant qu'intellectuel qui regarde, mais comme membre parmi plein d'autres d'un vaste mouvement. Je suis passé à Thinkerview avec deux activistes et là, ils me demandaient qu'est-ce qu'il fallait marquer. Est-ce qu'on marque directeur de recherche au CNRS, nana. Et puis la camarade, elle me dit, t'as qu'à mettre militant. Et tout à coup, je me dis, ah merde, ma casquette de CNRS, est-ce que mes collègues, est-ce que ma hiérarchie, si en plus le mouvement est dissous, là. Puis j'ai accepté ce truc de militant.
Voilà. Et voilà, c'est des petits moments, quelque part, de trahison, où je trahis mes propres privilèges pour être dans des débuts de solidarité avec d'autres choses. C'est des moments qui questionnent les privilèges, mais qui en même temps sont des moments où on se sent une meilleure personne. Et donc si à chaque fois qu'on peut, on doit faire un travail depuis là où on est, masculin, blanc, pour tenter d'être une meilleure personne, si les sciences sociales peuvent y participer, tant mieux. Mais parfois ça passe par des trahisons, je pense qu'il faut le dire. Alors une dernière réponse sur comment sortir de l'extractivisme des savoirs. Qui veut répondre à cette question? Et après on arrêtera la conférence. Moira? Oui. Me atrevo a decirle un chiste acá al compañero. En un momento él dice que le gustaría ir al campo a hablar con los campesinos. Yo que trabajo en el campo y estoy a veces con la pala trabajando la tierra, si viene alguien a hablarme, en realidad lo que quisiera es que esa persona se ponga a trabajar conmigo. Creo que de ahí vamos a salir del extractivismo, de empezar a cooperarnos en los procesos pragmáticos. Para nosotros, allá, por ejemplo, el pueblo mapuche, recuperar territorio, salir a reafirmar recuperación territorial, implica muertes. Nos están matando, literalmente nos están matando. Nos están encarcelando, nos están judicializando. Entonces, una cosa es sentirse parte de una lucha a la que podemos analizar y teorizar y producir esa narrativa académica del proceso que están poniendo o llevando adelante cuerpas que van a ser asesinables. Porque ahí la compañera preguntaba, cuando escribimos, ¿desde dónde escribimos? Si sentimos la racialidad. ¿Me voy a sacar esto? Sí, sentimos la racialidad. Somos seres enteramente subjetivos. La objetividad es una mentira. Es una mentira que salió de acá. Sentimos. Y desde ese lugar hablamos. Yo estoy acá y no sé si en otra ocasión volveré. Porque en Argentina nos están matando. Y esto no es retórica, no es teoría, no es para que los sociólogos armen un trabajo sobre nuestras muertes. Esto es lo que nos está sucediendo. Entonces la urgencia de estos pueblos telúricos que están defendiendo la vida no tiene el mismo tiempo de la academia que se pone a analizar el proceso y el desarrollo de la autodefensa territorial de los pueblos. Cuando encontraron la palabrita mágica para nomenclar ese proceso, las personas que lo hicieron posible probablemente ya están muertas. Je voudrais donc faire une petite blague à mon collègue à ma droite pour dire qu'il dit qu'il aime parler avec les gens de la campagne, aux paysans, tout ça. Moi-même, parfois, je travaille à la campagne avec la terre. Et je me dirais que si à ce moment-là, quand je suis en train de travailler la terre à la campagne, il vient me parler, moi, je n'ai pas envie qu'il me parle. J'ai envie qu'il m'aide. J'ai envie qu'il travaille. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut arrêter l'extractivisme d'une façon pragmatique. Nous, notre lutte mapuche, c'est de récupérer les territoires. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que pour récupérer les territoires, il faut passer par la violence. Il y a des morts. Donc, la violence est là avec les mapuches. Ils sont en train de nous tuer, de nous emprisonner, de nous mener à injustice. Alors, si c'est très bien de se sentir partie d'une lutte, de faire des théories et de créer des mots, et puis une narrative académique, mais en réalité, il y a des corps qui sont en train de se faire assassiner. Donc, les sociologues qui peuvent écrire des livres, théoriser pendant des heures et des heures sur comment nommer telle chose ou telle autre, ne se rendent peut-être pas compte de l'urgence de ce qui est en train de se passer dans les territoires. Le temps qu'ils trouvent un mot pour décrire quelque chose, il y a déjà des personnes qui se sont fait assassiner. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait d'où nous écrivons, d'où nous parlons. Moi, j'ai envie de dire que nous écrivons depuis tous ces corps assassinés et tous ces corps qui ont été aussi discriminés. On parle aussi de racisme. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de trouver des mots magiques. Ce qu'il faut faire, c'est agir. Merci beaucoup. Malcolm, mot de la fin.
Et peut-être, Carmen, je crois que tu dois partir. Donc, Ah bon, d'accord. Oui, ben, je crois que c'était une très belle conclusion. Trois minutes, même pas deux minutes. Comment sortir l'extractivisme du savoir ? Pour moi, la première chose, c'est déjà reconnaître que c'est un droit, le droit à la connaissance, le droit de faire de la recherche. Que pour moi, tous les peuples, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme que prend cette recherche, ont le droit. Et aujourd'hui, ce droit n'est pas respecté. Ce droit à l'éducation, ce droit à la connaissance. Et ça passe, donc je vous félicite, en fait, ça passe aussi par avoir des structures d'édition qui assurent la circulation en fait, de ces connaissances qui sont produites, y compris dans des situations d'urgence, y compris dans des situations de domination, mais c'est important. Il y a une histoire de ces luttes qui est importante et qui sont pensées ainsi. Et bien sûr, le type de recherche, la séparation fictive en France entre université et société est une façon de maintenir une forme de colonialité, de domination dans les savoirs. Donc mon invitation est d'être complètement intempestif dans la recherche des savoirs, dans les formes des savoirs, dans les éditions, qu'on a besoin de ces récits, on a besoin qu'ils soient écrits, qu'ils soient diffusés. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et à tous les intervenants. Christophe et Malcolm vont dédicacer leurs ouvrages à la bibliothèque derrière. Une annonce très importante, ne venez pas à la chapelle demain car tout se passe demain à la croisière. Donc voilà, que ce soit le café avec ou les conférences, demain c'est à la croisière que l'on se retrouve et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Bah, à la limite, il y a Camille. Je vais sur la chaise. Vas-y.
la table en mode signature, mais tout le monde est en train de parler, et donc on peut pas le faire. C'est tout ? Mais moi, je crois qu'il faut qu'on démonte aussi. Hein. Enfin, moi, je suis sur le démontage, en tout cas. Oui, mais c'est les filles qui sont au micro. C'est pas toi qui es au micro. C'est moi, je suis sur le démontage, là, maintenant. Bah non, mais toi, tu t'occupes pas on de ça. On est quatre. OK. Merci, du coup alors attends, 2, 4, 5, 6, 7, 8, merci, tu m'as tout ramené, c'est top. Et vraiment merci beaucoup pour ton aide.